Peuple d'Afrique, peuple du monde, bonjour. C'est toujours avec un plaisir incommensurable que nous vous retrouvons sur For You Télévision dans le cadre de votre émission quotidienne For You Matin. Ce matin, justement, nous irons du côté de Conakry. Nous sommes en Guinée. Parler bien sûr de la transition. 12 mois après, qu'en est-il réellement sur le terrain? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Est-ce que voilà, le pouvoir de transition a-t-il réellement répondu aux attentes du peuple guinéen? Que peut-on mettre à l'actif aujourd'hui du colonel Mamadi Doumbouya, celui-là même qui préside désormais à la destinée donc du peuple guinéen? Voilà, en gros, la thématique sur laquelle, bien sûr, nous reviendrons en première partie de cette émission de For You Matin. Et en deuxième partie, nous mettrons le cap du côté de Bangui. Oui. Puisque nous allons bien sûr mettre également le cap de ce côté pour retrouver Galé Ibokea qui nous parlera bien sûr de la réécriture de la constitution entre bien sûr la République centrafricaine est-elle bien sûr sur la bonne voie avec bien sûr ce projet de modification de la constitution du 30 mars 2016, pardon. Donc nous irons effectivement de ce côté dans un instant pour en parler. Également dans le cadre de cette émission de For You Matin, en présentiel sur ce plateau, nous aurons bien sûr la participation de Claver Kodo. Il est journaliste en direct bien sûr du côté du Burkina Faso. Nestor Porassé sera également des nôtres. Bref, le panel il est là, sans toutefois oublier celui de Bangui, je vous le disais à l'instant. Voilà Bangui, le vol sera expéditif, il sera éclair. C'est à vous de vous accrocher pour ne rien louper de tout cela. Voilà donc ce qui constitue en gros l'essentiel de votre émission de ce matin, For You Matin. On le dit une fois de plus, c'est une émission qui sera d'ailleurs un duplex entre bien sûr Douala et Bangui. Les panélistes, vous les avez, les thématiques également, vous les avez, mais vous n'avez pas encore l'instant de l'information. Voici donc l'instant de l'information. Cour suprême a déclaré valide la victoire de William Ruto, déjà proclamée le 15 août 2022. C'est une décision unanime. Les recours sont par la présente rejetés. Parole de Martha Comey, présidente de la Cour suprême, le 5 septembre 2022. C'est un revirement de situation pour le candidat malheureux à l'élection, Raila Odinga, qui avait déposé un recours dans le but de contester l'issue des urnes. Son équipe juridique avait estimé que le scrutin ne s'était pas déroulé en toute transparence et que les serveurs de la commission électorale avaient été piratés. Le camp Odinga accusait notamment les membres de la commission de corruption et de tripatouillage, affirmant avoir de lourdes preuves qui attestaient de sa victoire. Malheureusement, devant la Cour suprême, ces éléments n'ont pas pu convaincre par leur poids. Alors que des dissonances se constataient déjà au sein de la commission électorale, avant même la proclamation des résultats en jetant le flou sur l'issue, nombreux s'attendaient à la reproduction du schéma de 2017, où le camp Odinga avait réussi à obtenir l'annulation de l'élection présidentielle. Une fois n'étant pas coutume, celui-ci n'aura pas gain de cause pour ce scrutin. Raila Odinga, longtemps opposant, a reçu pour cette élection le soutien du président sortant, Uhuru Kenyatta, qui lui aussi, à l'annonce du verdict de la Cour suprême le 5 septembre dernier, s'est opposé. Mais les dés sont jetés, malheureusement. Le nouveau président du Kenya, William Ruto, prendra fonction le 13 septembre prochain. Celui-ci a obtenu lors des décomptes 233 000 voix d'avance sur Raila Odinga, soit 50,49% contre 48,85%. La énième dénonciation de fraude depuis une vingtaine d'années n'aura pas eu l'effet escompté. Après la décision unanime des 7 juges de la plus haute juridiction du pays, qui authentifie la victoire de l'ancien vice-président Ruto, l'heure est au nouveau défi du pays, car une nouvelle page s'ouvre. S'il a vaincu la bataille de contestation de son élection, ici débute un nouveau combat. Entre lutte contre la corruption ancrée, lutte contre la vie chère et remédiation de la situation de chômage des jeunes dans le pays, le nouveau président du Kenya, confirmé le 5 septembre 2022 par la Cour suprême, a du pain sur la planche. L'économie kenyane a bien besoin d'être boostée et pendant ce temps, les populations d'être rassurées quant à la cherté de la vie au Kenya. Notamment en ce qui concerne les produits pétroliers et ceux de première nécessité. Mais c'est une bataille à laquelle le nouvel homme de la présidence au Kenya s'est juré victoire puisqu'il s'est fixé un délai de 100 jours
pour remédier à la situation économique du pays. L'inflation ayant frappé à la porte du pays en août dernier, en atteignant les 8%, inédit depuis 5 ans sur le territoire kényan, a créé un virage non seulement dans la vie de l'État, mais aussi du peuple. Quelques événements basiques et redondants, comme la suite de la pandémie à coronavirus, mais aussi la crise ukrainienne, font rapidement office de cause. En juillet dernier déjà, le gouvernement a annoncé une subvention sur les produits farineux pour soutenir les prix, une promesse ensuite que Ruto viendra peut-être relancer pour épauler les consommateurs qui pâtissent de l'importation des céréales de la Russie et de l'Ukraine à hauteur de 10%, ainsi que de son agriculture, qui représente 22% de son PIB. Alors que, durant la campagne du nouveau président, il promettait d'aller à la rencontre de nouveaux partenariats et d'user de transparence, il se retrouve face à un poids énorme de la dette laissée par son prédécesseur durant ses mandats. Il s'agit presque de 70 milliards de dollars de dette. Parmi ses bailleurs de fonds, le Kenya compte la Banque mondiale et surtout la Chine, prisée sur le continent. Avec un nombre d'au moins 500 000 jeunes diplômés chaque année et 5 millions de jeunes sans emploi, la tâche du président reste lourde. Celui-ci a tout de même promis la création d'emplois pour endiguer. Selon le chronogramme du nouveau président, le défi sera relevé. Celui-ci mise sur un investissement massif dans l'agriculture et les productions locales. Le compte à rebours est lancé pour l'ancien vice-président devenu dirigeant. Les 99 jours prochains constituent plusieurs rings contre les hicks qui persistent à ramener plus bas le train de vie des Kényans. Alors que tout le monde s'attarde sur son bilan à la tête de la transition, le lieutenant-colonel Polaris Ndaogo Damiba a amorcé une véritable course contre la montre qui l'a conduit dans un premier temps à Bamako le 3 septembre 2022. Avec son homologue de la transition, le colonel Assimi Goïta, il s'est surtout agi d'échanger sur des questions sécuritaires en vue de renforcer le partenariat qui permettrait à Bamako et Ouagadougou de faire front commun face au terrorisme. Mais aussi, il était de bon ton pour nous qui sommes dans une période de transition, de venir auprès des autorités de la République du Mali pour aussi avoir un cadre de partage et d'échange autour des défis auxquels sont confrontées les transitions du côté Mali et aussi du côté du Burkina Faso. Pour sa première visite à l'étranger depuis sa prise de pouvoir, le président du Faso n'a donc pas choisi la destination Bamako par hasard, compte tenu de la proximité entre les deux chefs d'État, tous des militaires. S'il est vrai que l'exemple malien parle à toute l'Afrique et au Burkina Faso en particulier, il est autant indéniable que s'inspirer des résultats probants du colonel Goïta Sonkob à un impératif catégorique. L'axe Bamako-Ouagadougou est embalisé, le cap est mis sur la Côte d'Ivoire, où les enjeux, bien que similaires, sur le plan sécuritaire le sont moins, sur le plan politique. Conscient de l'importance que revêt la question des exilés politiques pour le peuple burkinabé, le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est entretenu avec ces derniers, avec pour objectif d'œuvrer pour la réconciliation nationale. Au-delà des dimensions politiques et sécuritaires, la dimension économique est toujours présente dans les relations burkino-ivoiriennes, avec l'augmentation des échanges commerciaux, notamment par les ports d'Abidjan et de San Pedro, aujourd'hui en pleine croissance. À la date commémorative du départ du dernier soldat français du Mali et du premier saut parachutiste malien le 5 septembre, le collectif pour la défense des militaires a tenu une conférence de presse pour manifester son soutien au gouvernement de la transition dans le cadre de sa saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport à la violation répétitive de l'espace aérien du Mali ainsi que sa collaboration avec les groupes armés terroristes. Le CDM joint ainsi sa voix à celle du gouvernement pour solliciter la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la question. Réuni à la Bourse de travail lundi 5 septembre, le CDM et l'ensemble de ses alliés ont invité le Conseil de sécurité des Nations Unies à tenir urgemment, comme demandé par le gouvernement de la transition du Mali, une réunion pour examiner les preuves dont dispose le Mali contre son ex-puissance colonisatrice, la France. Il faut noter que le gouvernement de la transition du Mali accuse la France
avec des preuves à l'appui, de violer plusieurs fois son espace aérien dans le but de soutenir les groupes armés terroristes dans la déstabilisation du Mali. D'ailleurs, il estime que cet acte est noble et salutaire non seulement pour le Mali, mais aussi pour toute la nation africaine. Les membres de l'organisation s'abstiennent par leurs relations internationales de recourir à la menace ou encore à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit autre manière compatible avec le but des Nations Unies. La délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, participe depuis ce matin à une importante rencontre dont l'ordre du jour porte sur la présentation de l'évolution du processus de transition, l'expression des besoins de soutien des partenaires en appui au processus de transition au Mali, le point également des initiatives et appuis à cette transition. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président du Togo, Fornia Simbi. Ce groupe a été mis en place à l'initiative de l'Union africaine avec l'accord du gouvernement pour soutenir et accompagner les autorités maliennes dans la conduite de la transition. Et cela en coordination avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Mali. Il est coprésidé par l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et bien sûr l'Organisation des Nations Unies. Cette troisième réunion du GST Mali est un cadre de dialogue et de concertation. Elle sera mise à profit pour mettre en évidence la pertinence des orientations stratégiques pour une large adhésion de la communauté internationale aux actions entreprises par le gouvernement dans la capitale togolaise. Le chef de la diplomatie malienne s'exprimera donc sur l'évolution du processus de transition, notamment les réformes politiques et institutionnelles, les préparatifs des élections générales, les défis sécuritaires, la situation humanitaire et économique justement du côté du Mali. En outre, le ministre Abdoulaye Diop va donc aborder des sujets ayant trait à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, aux appuis et soutiens attendus des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour une transition réussie. Abdoulaye Diop présentera également aux partenaires et les membres du GST Mali le programme d'action du gouvernement afin de solliciter leur appui à la bonne marche du processus en cours. Le gouvernement saisira alors cette opportunité pour se rendre compte du soutien de la communauté internationale et appeler à une levée rapide des sanctions encore en vigueur. Rappelons que Bamako a abrité la première rencontre du GST Mali, c'était le 30 novembre 2020. Et la seconde a eu lieu à Lomé, c'était le 8 mars 2021. Les deux précédentes réunions ont été marquées par la mobilisation des partenaires au chevet du Mali. À Lomé, le Mali et ses partenaires souffleront donc ainsi dans la même trompette au bonheur du peuple malien. Les actions entamées par la transition plaideront donc pour cette cause. J'ai eu l'honneur d'être accepté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale afin d'échanger sur certains points dans le cadre de notre étude, principalement sur les réformes possibles dans le secteur et ainsi ses aspirations par rapport au processus ITIE au niveau de la République centrafricaine. C'est en ces termes que le consultant de l'ITIE international s'est exprimé devant la presse parlementaire le lundi 100 septembre 2022 au sortir de l'audience que lui a accordé le premier vice-président de l'Assemblée nationale centrafricaine, l'honorable Évariste Gamana. Commis par le secrétariat international pour assister le secrétariat national de l'ITRCA, Radouane Bouzayane est venu s'entretenir avec la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale dans le cadre d'une étude pour la transparence des contrats dans les secteurs attractifs en RCA. Et afin que la mission porte ses fruits, quel meilleur interlocuteur que l'Assemblée nationale, qui de l'avis de Radouane Bouzayane est une actrice qui va contribuer à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs extractifs et surtout pour le revenu de l'État et que ce revenu puisse profiter au peuple. Répondant à la question sur l'étude, l'objet de la visite proprement dite, le consultant de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a fait savoir à la presse que dans le processus ITIE, la République centrafricaine a été acceptée, c'est-à-dire qu'elle a intégré le processus de Kimberley et l'étendue de travail qui va couvrir les zones vertes par le dit processus. Pour rappel, l'ITIE entendait l'initiative pour la transparence dans les industries extractives promeut la gestion ouverte
et responsable des ressources pétrolières, gazières et minières. Elle en note que plus d'une cinquantaine de pays se sont engagés à renforcer la transparence et la redevabilité de la gestion de leur secteur extractif en mettant en œuvre la norme ITIE, parmi lesquelles la République centrafricaine. Autant d'éléments à mettre à l'actif de la rédaction centrale de For You Media. Merci à vous. Merci à l'ensemble donc de l'équipe de la rédaction centrale. Ce matin, je vous le disais, nous serons en duplex. Mais bien avant, on poursuit d'ailleurs cette émission de For You Matin en parlant bien sûr en première partie du bilan. Du bilan du colonel Mamadi Doumbouya du côté de la Guinée-Conakry, 5 septembre 2021, 5 septembre 2022, un an, 12 mois effectivement, se sont donc écoulés. Est-ce que les attentes des Guinéens ont été comblées jusqu'ici? Qu'est-ce qui a réellement été fait sur le terrain? Y a-t-il des motifs d'espoir compte tenu bien sûr de la situation qui prévaut de ce côté? Voilà autant d'interrogations sur lesquelles nous reviendrons longuement durant bien sûr cette première partie d'émission. Il est avec nous déjà en direct de Bobo-Dioula Lasso, Nestor Podassé ce matin. J'en profite pour vous dire bonjour, bienvenue. Bonjour aux techniciens, bonjour à mon copanéliste, bonjour à tous les téléspectateurs de For You Media, bonjour au PDG de For You Media. Ah, c'est un plaisir de vous avoir une fois de plus, Nestor, dans le cadre de cette émission de For You Matin sur For You Télévision. On rappelle bien sûr que tout à l'heure nous serons également aux côtés de Claver Kodo qui est journaliste, votre copanéliste justement. Mais bien avant d'évoquer le sujet sur la Guinée-Conakry, puis non, d'abord cet élément qui a été réalisé par Begoudé Madone, elle nous dresse le bilan. Le bilan, bien sûr, la transition du côté de la Guinée. Que s'est-il réellement passé en 12 mois au pouvoir? Qu'a-t-il fait le colonel Mamadi Doumbouya jusqu'ici? Les attentes du peuple guinéen ont-elles été comblées? Bref, élément de réponse à suivre dans cet élément. 5 septembre 2021, 5 septembre 2022, un an déjà que le colonel Mamadi Doumbouya a pris les commandes de la Guinée-Conakry après la chute d'Alpha Condé. Une transition de 36 mois, c'est ce qui a été après de longs pourparlers et médiation de la CDAO. Le Conseil national du Rassemblement pour le développement CNRD en abrégé, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, avait fait de la justice un point principal de sa transition, la sécurité, la lutte contre la corruption et la réconciliation nationale venaient par la suite. Aujourd'hui, le pouvoir de transition a entamé des assises préparatives du procès du massacre du 28 septembre 2009. La date du 6 septembre est très attendue comme étant le jour où la date butoir du procès sera dévoilée par le ministère de la Justice qui travaille depuis plusieurs mois à la constitution d'une équipe de magistrats ainsi qu'au local pour accueillir les audiences. Le colonel Doumbouya, pour lutter contre la corruption, qui du temps d'Alpha Condé, ancien président, suivait son petit bout de chemin, a rendu viable le CRIEF et le NDLR, qui sont des structures de répression financière et économique. À son arrivée, le colonel Mamadi Doumbouya a dit vouloir respecter les droits de l'homme, maintenir la justice. Il y a quelques semaines seulement, le président de la transition a dissous le FNDC. Pour cause de menace à l'ordre public, il a accusé cette coalition de l'opposition et quelques partis politiques et de quelques associations de la société civile d'agir par la violence, de défier les forces de sécurité du pays. Selon lui, cette décision permettait de sauvegarder l'intégrité publique au vu des morts enregistrés et nombreux dégâts matériels. Mais aujourd'hui, plusieurs prêtent à Doumbouya une attitude inclusive qui écarte le peuple, la société civile, ainsi que l'opposition de la gouvernance. De nombreuses manifestations instigées par la coalition dissoute ont eu lieu dans le but de réclamer le départ du CNRD et protester contre son pouvoir. Des réclamations tout de même très mal reçues quand on sait que celui-ci a présenté un chronogramme clair et transparent de sa gouvernance à venir. La question qui s'est toujours posée est celle de savoir qui tire les ficelles et finance le mouvement. En tout cas, 2 ans encore pour évaluer le pouvoir de Doumbouya. Nombreux sont dans l'attente de la libération de plusieurs prisonniers dits politiques, mais la transition du président en place est aussi à la remise en forme de la souveraineté guinéenne, des partenariats de parité pour le développement certain du pays.
Ah, merci donc à Begoudé Madone pour cet élément, ce bilan de 12 mois passé donc au pouvoir. On parle bien sûr du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition guinéenne. À votre avis, Nestor Podassé, quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de la transition? Quel bilan faites-vous des 12 premiers mois passés au pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya? Une transition ne vient pas avec, un programme de développement ou de société. Oui. Une transition est là pour assurer les affaires courantes. Oui. Et une transition, c'est parce qu'il y a problème que la transition intervient pour rectifier le tir. Et je pense que Mamadi Doumbouya, quand il est arrivé, d'abord, il a dit que c'est parce que les choses n'allaient pas que lui, il a pris le pouvoir pour rectifier. C'est-à-dire qu'il y avait, un peu de favoritisme, la constitution est violée. Et cette même force spéciale guinéenne qui est censée protéger le peuple guinéen a été utilisée pour faire la répression, des massacres pendant les manifestations contre le troisième mandat. Bon, je dirais que, en tout cas, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais il a essayé d'améliorer. On ne peut pas tout faire en une année, on ne peut pas tout faire, mais il a posé des actions fortes. Premièrement, quand vous regardez, il a libéré les prisonniers politiques arrêtés pendant les manifestations contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Nous avons vu aussi qu'il a interrompu, comment dirais-je, certains gabégies, certains détournements à grande échelle ont pris fin. Il a aussi permis aux anciens présidents, Sékouba Konaté, au général Sékouba Konaté et Moussa Dadis Camara qui étaient au Burkina ici de rentrer. Chose qui a été fait. Il a même organisé une séance de réconciliation entre ces deux hommes. Chose qui a été fait, donc moi je note ça positivement. Si vous regardez aussi pendant l'embargo de la CEDEAO, l'embargo injuste de la CEDEAO sur le peuple digne du Mali, il a quand même ouvert ses frontières, il s'est démarqué de cet embargo-là et il a ouvert ses frontières au Mali pour pouvoir ravitailler le Mali, donc à travers le port de la Guinée. Donc si nous regardons ces actions, c'est positif, mais toujours est-il que tout ne peut pas être parfait en même temps. Voilà, il n'a qu'à encore faire d'efforts un peu plus pour avancer. Je pense que d'ici la fin du mandat, il va vraiment s'en sortir. Mais bon, nous voyons que malgré tout ça, il y a des gens qui trouvent toujours qu'il n'a pas assez fait, il n'a pas fait ci. On ne peut pas tout faire à la fois et on ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Mais il faut faire ce qui est bien, qui peut contenter tout le monde. Voilà, ça c'est le minimum. Mais maintenant, quand on ne va pas dans ce sens et qu'on décide de diriger de manière clanique ou de manière ethniciste ou régionaliste, c'est ça qui n'est pas bon dans un pays. Mais alors que c'est tout cela, il est venu faire coup d'état pour mettre fin à tout ça. Donc pour moi, pour le moment, s'il faut le noter, peut-être je peux le noter 6 sur 10 et pendant les 1 an de son bilan. Merci à vous, Nestor Podassé. Une note de 6 sur 10 pour le colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir depuis le 5 septembre 2021. Voilà, c'est ce que vous nous dites d'ailleurs sur cette première prise de parole. J'en profite d'ailleurs pour introduire le deuxième invité de ce matin. Il s'agit bien sûr de Clavier Kodo. Il est journaliste, directeur de publication du magazine Horizon Nouveau qui paraît d'ailleurs à Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus sur ce plateau ce matin d'EP. Bonjour. Bonjour, bonjour à vos milliards de téléspectateurs. Bonjour à notre copanéliste qui vient de prendre la parole. Bon. Bonjour également à tous ceux fidèles qui chaque jour viennent glosser les rangs parmi nos auditeurs. J'en profite d'ailleurs pour vous poser la même question. DP, 5 septembre 2021, 5 septembre 2022, ça fait un an qu'on a une transition du côté de la Guinée. Si vous venez à l'esprit de faire un bilan des 12 premiers mois passés au pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya, que diriez-vous exactement de cette transition en Guinée? Bon, ben écoute, je pense que il accède au pouvoir avec la pression de la rue, donc pour apporter des réponses aux attentes légitimes d'un peuple qui se sent, je crois d'ailleurs qu'il se sent encore
indécis. Je ne peux donc pas dresser un an après un bilan éloquent, particulièrement éloquent, parce qu'au-delà de cette proximité idéologique qu'ils recherchent avec le pouvoir malien, et à travers les facilitations d'accès pendant la crise, pendant les sanctions de la CEDEAO, il y a quand même, et puis cette fameuse réunion qu'il a tenue pour imposer aux transnationales un partage assez équitable des ressources naturelles exploitées en Guinée, qu'on a créé lorsqu'on sait que la Guinée est pratiquement le premier fournisseur de la bauxite qui est traitée au Cameroun, la bauxite exploitée par la France qui est traitée dans les usines du Cameroun, où la France absorbe il y a peu, plus de 60% de l'énergie produite dans notre pays. Je pense que c'est déjà un acte qu'on peut considérer comme un signal. Mais ce qui me laisse un peu à ma faim, c'est cette fébrilité de prendre des mesures drastiques vis-à-vis de cette France qui, comme on le sait tous, est à l'origine, faut le dire, est à l'origine de tous les malheurs des peuples africains partout où elle se trouve. Donc jusque là, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, surtout que jusque là, j'ai pas vraiment perçu un signal très très fort qui pourrait susciter mon enthousiasme pour le créditer d'une certaine volonté de rupture et de reconstruction de la Guinée-Conakry. Merci à vous, Monsieur Pierre Claver-Codo. On le rappelle une fois de plus, vous êtes journaliste, directeur de publication du magazine Horizon Nouveau. Je ne sais pas si du côté de la technique, de la réalisation, on est calé. On m'annonce, bien sûr, que notre équipe en direct de Bangui est prête donc pour vous faire vivre For You Matin de ce côté. Je ne sais pas s'ils sont déjà calés du côté de la réalisation ou alors on devrait continuer les échanges sur le plateau. Ah oui, ça tombe bien, on fait signe que voilà, on devrait bien sûr mettre le cap là-bas dans un instant. Bien avant de mettre le cap sur Bangui, Nestor Podassé, durant bien sûr la transition, ou du moins durant les 12 premiers mois de Mamadi Doumbouya au pouvoir, on a observé des mouvements d'humeur du côté de la Guinée, avec bien sûr des morts qui sont restés sur le carreau. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a ce côté sympathie-là avec le peuple? Sinon, à quel moment effectivement on a assisté à une rupture entre le désidérata du peuple guinéen et, bien sûr, les aspirations du colonel Mamadi Doumbouya? Je n'ai pas bien saisi la question. Oui. Nestor, je répète ma question. En fait, je parle de ce mouvement d'humeur qu'on a observé en Guinée sur les 12 premiers mois de la transition de ce côté, avec bien sûr les nombreuses manifestations organisées notamment par le Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, quelques membres qui ont été emprisonnés, etc. Plusieurs mouvements d'humeur ont été observés sur le terrain. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une rupture entre le désidérata du peuple et, bien sûr, les aspirations du colonel Mamadi Doumbouya? Non, moi je ne pense pas. Ça, c'est quand vous dites le désirata du peuple, ça c'est dans son ensemble. Mais quand aujourd'hui FNDC, tout le monde sait que FNDC a manifesté pour empêcher le troisième mandat d'Alpha Condé. Mais en dehors de ça, tu sais, moi je suis un panafricain. Aujourd'hui, toute société civile qui ne part pas dans cette vision-là, moi je les cautionne pas trop. Parce que tous les pays africains sont des Indo-colons. Est-ce qu'on se comprend? Je ne vais pas vous couper. Je vous promets qu'on va reprendre, bien sûr, les échanges. Mais je voudrais d'abord qu'on mette le cap sur Bangui à l'instant. Parce que notre équipe, déjà sur le terrain, est prête pour nous parler, bien sûr, de la réécriture de la Constitution et le développement infrastructurel par la crypto-monnaie. La RCA est-elle sur la bonne voie? Je vous promets, Nestor, qu'on reprendra les échanges. Ça sera tout à l'heure, mais ça sera juste après ceci. Cette question est une urgence, voire une nécessité. Une certaine opposition estime que derrière cette idée se cachent des intentions conservatrices du pouvoir. À côté de cela, nous analyserons justement la décision numéro 008 de la Cour constitutionnelle, barre 22 du 29 août 2022 sur la saisine de Jean-François Akanji Kambé, autre tendant à déclarer contraire à la Constitution et nul les actes de l'exécutif organisant la
vente de la nationalité du sol et du sous-sol centrafricain dans le cadre justement de l'exécution de la loi régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine. Le développement de cette thématique, c'est justement dans un instant. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, dans cette édition spéciale, nous avons deux invités. Un, c'est M. Eloge Koï, qui est rapporteur général du Cercle de réflexion pour une constitution républicaine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous dans cette édition. Merci beaucoup. Et notre deuxième invité est M. Ndom Parfum, qui est panafricaniste, politique en Moussi. Bonjour. Bonjour, princesse Gypsy. Bonjour à l'autre princesse qui vous tient, n'est-ce pas, une partenaire pour cette très grande émission. J'ai cité la princesse Alice Ngale et Bokeya. Et merci pour cette invitation. Alors, sans plus tarder, t'as la parole. Alors, vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, c'est une coprésentation justement avec Gypsy Roman dans le cadre de cette édition spéciale. Il y a donc deux groupes qui s'affrontent sur la question justement de la constitution, le camp gouvernemental qui estime qu'il y a une urgence à doter le pays d'une nouvelle constitution et l'opposition qui voit des intentions de confiscation de pouvoir. Alors, je me tourne justement vers vous, monsieur Eloge Koï. Où vous situez-vous dans ce débat? Ben, écoutez, ce débat n'a pas lieu d'être parce que la question d'une nouvelle constitution relève de la souveraineté du peuple. Le peuple étant souverain a le droit, comme disait Hegel, chaque peuple a droit à la constitution qui lui convient. Et donc le peuple centrafricain étant souverain pense que la constitution du 30 mars 2016 qui ne correspond pas. Alors, en quoi la constitution du 30 mars est mauvaise? Elle est mauvaise parce qu'elle contient des dispositions transitoires. Et comme le nom l'indique, les dispositions transitoires constituent un ensemble de règles provisoires, n'est-ce pas, servant à assurer dans les meilleures conditions le passage d'un cadre constitutionnel à un nouveau cadre constitutionnel et aussi juridique ancien à un régime juridique nouveau. Un exemple. Quand on dit, par exemple, que le chef de l'État de transition, la Cour constitutionnelle de transition, vous voyez, ce sont des institutions qui sont censées être inscrites dans le cadre de la durabilité. Vous ne pouvez pas dire que quand le chef de l'État est investi par, dans le cadre sur la base d'un texte purement provisoire. Prenons un exemple simple. Le président de la République, le professeur Fossa Konjo-Touadéra, a été élu et il a prêté serment sur, effectivement, cette constitution du 30 mars 2016. Admettons qu'on se mette dans le cadre de cette disposition transitoire qui parle de chef de l'État de transition, que le nouveau président de la République est installé, le chef de l'État de transition reste en place jusqu'à l'installation du président de la République, est élu. D'accord. Maintenant, le président a fini le premier mandat. Nous sommes allés à la deuxième mandature. Comment vous allez m'expliquer qui va rester en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président? Est-ce que c'est le président Touadéra qui venait de terminer la première mandature de 5 ans, qui n'est pas un président de transition? Ou alors, vous voyez, Mais fallait-il pas attendre un peu? Non, attendre, ça ne veut pas. Vous savez, quand le président est arrivé, il a hérité d'un pays en lambeaux, un pays qui est totalement détruit. Et donc, il fallait qu'il s'attaque à des urgences. Il y avait des urgences sur le plan éducation militaire. Vous voyez, merci. Le président est arrivé, il a trouvé 3 bataillons. Il n'a trouvé que 3 bataillons. Mais à l'heure où je vous parle, nous en sommes à 16. Et il n'est pas prêt pour s'arrêter. Parce que le président veut garantir la sécurité à son peuple. Ce qui est très important. Le peuple centrafricain a beaucoup souffert. À travers les groupes armés, on a endeuillé, les groupes armés ont endeuillé de nombreuses familles centrafricaines. Et aujourd'hui, l'urgence
dès que le président est arrivé, c'était de ramener la sécurité. Et personne, aucun centrafricain sincère, digne de foi, qui croit en Dieu, ne pourra pas dire le contraire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les centrafricains peuvent vaquer à leurs occupations, les centrafricains peuvent aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, peuvent circuler normalement. Donc, comme pour vous dire que la sécurité, même si on ne peut pas dire que c'est à 100%, mais la sécurité actuelle sur toute l'étendue du territoire, puisque nos forces de défense de sécurité contrôlent la quasi-totalité du territoire centrafricain. Mais monsieur Hulot, face à cela, il y a une division au sein de la population. Que faut-il faire? Ce que vous appelez division, ce n'est qu'un groupuscule d'individus qui... des individus qui sont des pouvoiristes, des gens qui veulent coûte que coûte détruire, déstabiliser les institutions de la République, qui pensent qu'il y a une division qui crée cet esprit d'ailleurs. Vous savez, la quasi-totalité, je vais vous rappeler, le 29 avril dernier, les centrafricains sont allés déposer à la représentation nationale une pétition qui a recueilli plus de 700 000 signatures. Prenez ces 700 000 signatures. Je vous donne un exemple simple. Je vous renvoie au dernier meeting organisé par... le dimanche dernier. Le dimanche dernier, c'était ce que nous sommes aujourd'hui... ce qu'on accepte aujourd'hui d'appeler des progressistes. Ouais. C'est eux qui avaient organisé, donc nous autres, qui avons organisé cette grande rencontre. Quand vous faites référence aux marches des opposants d'Ayamba. Voilà, effectivement, c'était pour leur prouver qu'ils ne représentent absolument rien sur l'échiquier politique. Vous voyez, une minorité sur 18 partis et associations politiques, vous avez vu ce qu'ils ont mobilisé? Moins de 200 personnes. Ouais. C'est une honte. C'est pour montrer, et c'est ce groupuscule qui veut montrer à l'opinion internationale qu'il y a une division. En réalité, il n'y a pas de division. La quasi-totalité des Centrafricains est totalement d'accord avec, l'idée d'avoir une nouvelle constitution. Et personne ne peut arrêter cette marche. Voilà, justement, lorsqu'on revient sur la constitution, quelles sont donc les réalités? Parce qu'on sait quand même qu'il y a des articles qui ne cadrent plus forcément avec les réalités centrafricaines. Mais c'est justement ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Quand vous prenez toutes ces dispositions transitoires, normalement, je vous donne un exemple simple. Oui. Cela part du principe. On ne refuse pas que dans une constitution, qu'on y mette des dispositions transitoires. Oui. Ça, ça existe partout. Mais ces dispositions transitoires, dans la logique juridique, parce qu'on ne peut pas, lorsqu'une constitution est adoptée, eh bien, on laisse le temps de mettre en place les institutions qui sont prévues par cette constitution. Mmh. Mais une fois que ces institutions sont prévues, eh bien, ces dispositions disparaissent. Oui. Maintenant, on vous dit que le président de la République... On ne fait que parler des dispositions transitoires, des dispositions provisoires. Mais on ne peut pas maintenir des dispositions provisoires dans une constitution qui est censée, en tant qu'une norme juridique, un ordonnancement juridique, s'inscrit dans la durée. Mm. Je suis tenté de vous dire que, madame... Merci, monsieur Eloge, nous allons parler. Monsieur Parfendom, alors, pourquoi la question de la constitution fait autant couler d'encre et de salive? En réalité, c'est une question de pouvoir. Mmh. Vous voulez parler du pouvoir, faites allusion à quoi? Non, le pouvoir, les acteurs politiques ont pour fonction première de soit conserver le pouvoir, soit aller à la suite du pouvoir. Mmh. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est le caractère de la légitimation. D'accord. N'est-ce pas, de cette instance, de cette mécanique qui forme ce qu'on appelle la mère des lois. Mmh. Parce que c'est de la Constitution que s'inspirent toutes les autres lois organiques dans un pays. Oui. Vous ne pouvez donc pas avoir, dans un pays, à la suite de ce brillant exposé de mon cher Eloge, une Constitution qui porte en son sein les germes de quelque chose, en réalité, qui ne légitime pas un quelconque pouvoir. D'accord. La Constitution ne peut pas avoir une vocation transitoire pour un pays où des élections sont passées, ont consacré, n'est-ce pas, la légitimité d'un pouvoir et surtout qui doit projeter la Centrafrique, n'est-ce pas, dans les horizons de développement de manière à fermer. Écoutez, il n'y a aucune Constitution au monde
dans les pays qui se respectent, qu'il y a autant d'hérésie, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment des types d'hérésie, premièrement. Cette constitution-là, dont on nous dit qu'elle est comme un fétiche, il ne faut pas toucher aucun article, elle a été validée comment ? Est-ce que le peuple a été consulté lors de son adoption ? À quoi sert donc le peuple dans un pays ? Je vous rappelle, j'insiste là-dessus, la première autorité dans un pays, c'est le peuple. Oui. C'est le peuple. Vous ne pouvez pas avoir une élite, quelle soit-elle, quelles qu'en soient ses bonnes intentions, surtout dans les phases où nos États sont en construction, parce que n'oublions pas d'où nous venons. Là, je félicite encore l'éloge de nous avoir permis de faire le rappel d'où vient la Centrafrique. La Centrafrique était un pays complètement en déliquescence, presque failli, où l'État n'existait plus, où l'autorité de l'État avait complètement disparu. Et qu'est-ce qu'on constate depuis le magistère, la mandature du président Fossé Ashkan Touadéra, c'est que la Centrafrique, bien le Centrafrique reprend des couleurs. L'administration se déploie de nouveau. La sécurité est plus que jamais renforcée. Elle a repris sa place au concert des nations. Plus de 90%, soyons pessimistes, de territoires centrafricains sont aujourd'hui sous l'autorité d'un pouvoir, alors que dans un passé récent, c'est à peine Bangui qui était sécurisé. Ça veut dire que l'urgence d'une nouvelle constitution se fait dans ressortir. Mais il doit cadrer avec cette nouvelle donne, premièrement. Ça, c'est seulement sur le plan, j'allais dire, formel. Maintenant, quand on se lance dans les ambitions du point de vue économique, j'ai lu quelques parties de cette constitution, mais j'étais très étonné. C'est-à-dire, vous avez un président qui a été élu par le peuple, mais à qui on refuse toute forme de légitimité. Il est incapable de prendre la moindre petite décision sans que cette décision-là reçoive l'aval d'une institution, elle, cette cour constitutionnelle, elle qui n'a aucun mandat électif, qui est tout simplement un cadre administratif, bien que juridique. Donc il faut qu'on arrête avec ce juridisme qui n'a pas de sens. Si on veut respecter les Centrafricains, si on veut donner de la dignité à la Centrafrique, il faut doter ce pays-là des institutions de dignité, des institutions d'indépendance. Alors, un exemple de ces institutions de dignité que vous voulez. Mais c'est l'exemple que je voulais vous donner. D'accord. Vous avez l'homme qui, en réalité, qui est responsable, à qui le peuple centrafricain va demander des comptes de moment venu, mais qui n'a aucun pouvoir. La moindre petite décision qu'il peut prendre, on dit attention, il faut d'abord qu'elle passe par la censure, soit du Conseil constitutionnel, soit du Parlement. Finalement, c'est quelque chose d'inédit. Mais ça n'existe nulle part dans le monde. Est-ce que justement, à ce niveau, la Cour constitutionnelle, justement, n'a pas démontré ses limites ? Parce que quand on regarde quand même cette décision qui a été publiée dernièrement, on se rend compte que le nombre de signatures qui devraient justement être respectées n'a même pas été respecté sur pratiquement autant de députés, du moins autant de personnes qui sont dans ce propos-là. On n'a eu que 2 signatures. Est-ce qu'à ce niveau, la Cour n'a pas démontré ses limites ? Non, mais ça, c'est tout simplement la conséquence même de ce qui est la base, c'est-à-dire que une institution qui se base sur des dispositions transitoires pour trancher de manière définitive. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est à la source même de l'organisation, n'est-ce pas, de cette architecture qui permet au pays, d'avancer. C'est-à-dire que le mal se trouve à la racine. C'est pour ça qu'il faut évacuer tout ça. Revenir, rebattre des cartes, revenir à des fondamentaux qui légitiment justement l'exercice pleine et entière du pouvoir par le biais de cette mère de loi. Donc il faut remettre le débat. Et là, je comprends très bien mon cher Éloge, mais je dis qu'à la limite, ça participe d'une certaine dynamique de la politique ivoirienne, d'une vigueur de la politique centrafricaine. C'est-à-dire qu'en Centrafrique, aujourd'hui, on n'a pas que de Bénin. Oui, oui. Il y a des gens qui peuvent bien contester une opinion majoritaire, largement majoritaire. Ça participe de la dynamique de la vie politique. Justement, maintenant, du point de vue des arguments, c'est là où le problème se pose. Les arguments qui sont opposés à la majorité qui estime qu'elle doit participer, elle doit construire, n'est-ce pas, sa propre mère de loi qui va lui permettre de lui donner toute la force possible pour aller vers le chemin du développement. Et les arguments qui sont opposés à cette volonté plus que populaire là, c'est elle qui semble assez légère, pour ne pas dire presque plus ou moins commandée, on ne sait pas quel esprit maléfique, et qui ne permet pas justement qu'un débat sain puisse être organisé autour de cette question. Voilà, justement, puisqu'on parle de majorité, justement, je crois que le 4 ou le 6 août dernier,
où justement le 4 dimanche dernièrement, on a justement assisté à la manifestation et au grand meeting justement, mais on a vu beaucoup de jeunes. Quelle est donc la position de la jeunesse sur cette question, monsieur Eloge? Vous venez de là. Très pertinente, et je m'en vais vous dire que la jeunesse centrafricaine a compris les subterfuges, les manipulations, tout ce qui est, comme disait mon cher Parfait, un juridisme insensé que les gens veulent imposé à la République centrafricaine. Manipulation organisée par ce fameux bloc de républicains, hein, pour la défense de la Constitution, qui ne sont autres que des gens les mêmes qui, à l'époque, ont créé Ezingo Biani, ensuite ils ont créé Code 2020, ils ont créé aujourd'hui le BRDC. On ne sait pas qu'est-ce qui le lendemain sera fait. Parce que c'est des gens qui changent tout le temps. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de projet à proposer au peuple centrafricain. C'est pas parce que la jeunesse n'est pas toujours représentée dans la prise des décisions. Et c'est justement, c'est tout ça qui appelle à la révision, au changement de cette constitution. Nous voulons une nouvelle constitution. On ne veut plus, même pas une seule disposition de l'ancienne constitution dans cette nouvelle constitution qui va nous proposée. Le peuple centrafricain, notamment dans la jeunesse, vous savez que la jeunesse, la population centrafricaine est majoritairement jeune. Oui. Et c'est pour cette raison que le meeting dernier, vous avez vu, 80% c'était les jeunes, et sous la pluie battante, oui, les gens se sont mobilisés dans la boue aussi, dans la boue, oui. Nous avons démontré aux yeux du monde que ni la pluie, ni le soleil, ni aucune intempérie ne peut plus jamais arrêter la marche du peuple vers la réécriture de sa nouvelle constitution. Oui. Alors je voudrais vous dire, le peuple centrafricain, comme tout autre peuple, veut sa nouvelle constitution. Oui. Si les gens veulent un débat, mais qu'ils viennent qu'on en débatte. Justement. Mais ils restent dans leur coin, ils manipulent et ils créent des idées comme pour dire que le peuple centrafricain n'est pas d'accord avec le projet de la réécriture d'une nouvelle constitution. Mais c'est faux. Nous leur avons plusieurs fois lancé des invitations pour des débats, mais ils n'en veulent pas. Et justement, c'est le cadre justement dans cette édition spéciale, parce qu'on a convoqué plusieurs opposants qui ont manifesté justement leur indisponibilité. Ils ne viendront jamais, madame. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ils ne viendront jamais. Je les mets au défi. Voilà l'occasion de venir parler au peuple, l'occasion de venir parler ou de défendre leur position. Pourquoi ils ne veulent pas cette nouvelle constitution? Et nous qui sommes favorables à cette nouvelle constitution, nous dirons également quelle est notre position. Parce que nous sommes le peuple, comme disait Parfait, le peuple c'est le patron de la constitution. Le peuple c'est celui-là qui doit être, vous savez, en général dans ce pays, on fait passer le peuple pour l'auteur de la constitution. Ouais. Mais cette fois-ci, et quand on dit que le peuple est l'auteur de la constitution, c'est après quoi? C'est après avoir fait valider le peuple par la constitution, par le référendum. Ouais. Mais cette fois-ci, le peuple veut être l'écrivain, oui, de la constitution. Voilà. Et il veut participer. Et nous voulons tout simplement, je profite de cette occasion que vous m'offrez, pour remercier le chef de l'État qui a compris, n'est-ce pas, les cris de son peuple, les attentes de son peuple, et il a répondu, vu la nécessité, l'urgence, la justesse même de cette nouvelle constitution, pour pouvoir donner l'occasion maintenant à ce que, à travers le décret qu'il a signé, et je chute en disant, en rappelant tout simplement ce que disait Parfait Ndong ici, quand le président de la République, qui est l'élu, qui doit normalement disposer de tous les pouvoirs, il a parlé de l'autre tout à l'heure, mais il y a un autre aspect, même les décrets. Les décrets sont contresignés par le ministre et le premier ministre. Pourquoi? C'est, oui, pas eux
qui sont élus, c'est le président de la République. Il n'a pas besoin, le président de la République n'a pas besoin de faire contresigner ses actes par un ministre ni par le premier ministre. Et surtout qu'à la fin, il rendra compte. Et surtout qu'à la fin, il rendra compte. Ce n'est pas le ministre nommé par décret, ce n'est pas le premier ministre nommé qui peuvent, lesquels peuvent être relevés à tout moment, qui iront devant le peuple pour rendre le compte. Donc nous pensons que cette constitution, c'est véritablement du torchon, permettez-moi le terme, et il faudrait balayer ce torchon, le brûler, pour nous permettre d'avoir quelque chose qui peut être à la table, qui peut servir à la table pour le peuple centrafricain. Alors, passons par Fendom. Tout à l'heure, M. Eloge parlait des manipulations organisées justement à ce niveau. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens sont, par exemple, instrumentalisés? Écoutez, il n'est pas pour moi aussi question d'indexer qui que ce soit. Oui. Mais il faut quand même qu'on parte des faits et des constats. D'accord. Mais là, la Centrafrique sort de très loin, j'insiste doublement là-dessus. Oui. C'était un pays où les gens sont étaient manipulés, justifiés justement cette espèce de chienlit permanente qui s'était installée ici. Maintenant que le peuple souverain, nous n'oublions pas l'initiative de cette réécriture de la Constitution. Quelle est l'initiative du peuple, hein? Ouais. C'est le peuple qui a commencé à lancer des cris, c'est pas possible. Les cris d'alarme. On ne peut pas, avec la vision éclairée du président Foussa Alkhan Touadéra et des propositions qu'il est en train de mettre sur la table et dont nous jugeons la pertinence et dont nous adhérons, n'est-ce pas, à cette vision, on ne peut pas lancer tous ces grands chantiers sur le plan économique, politique, social et culturel avec une constitution qui ne cadre pas avec cette ambition. Oui. C'est une question d'ambition propre. Mais monsieur Ndom, souvent c'est la jeunesse qui est manipulée parce que c'est la jeunesse qui prend le devant, qui prend les armes. Oui, d'accord. Uh-huh. Mais justement, cette jeunesse a goûté au délice de la paix que le gouvernement actuel lui a offert. Et il voit très bien qu'il faut accélérer le mouvement en se réappropriant de cette souveraineté qui doit être toujours refusée, c'est le mot que je puisse dire, pour que justement elle se mette en face avec cette nouvelle dynamique et elle-même soit le créateur et l'exécuteur des différents chantiers qui vont permettre à son plein épanouissement dans le cadre de ce pays et même dans le cadre africain. La jeunesse centrafricaine, c'est une jeunesse extrêmement intelligente qui a su comprendre des enjeux, les jeux, mais aussi les jeux, d'accord, n'est-ce pas, d'hier, des acteurs d'hier, qui justement justifient, quand on regarde le premier truc qui frappe. Parce qu'on dit souvent les mêmes causes conduisent les mêmes effets. Non, le premier truc qui frappe pour un observateur qui arrive dans ce pays pour la première fois, c'est de voir la déferlante des forces de l'ONU armées. Mais comment on peut penser... Ils sont d'ailleurs présents dans tous les carrefours de Bangui. C'est incroyable. Vous parlez de souveraineté. Comment vous parlez que cette jeunesse peut être à l'aise? Elle peut parler d'égal à égal avec les autres jeunesses du monde alors qu'elle est carrément dans un pays sous tutelle. Ça ne vous dit rien, mais ça ne vous parle pas. Cette jeunesse ne veut plus de ce type de ces humiliations. Cette jeunesse estime qu'aujourd'hui qu'elle est en capacité de prendre en main sa propre destinée et de la construire pour le bonheur des générations futures. Et c'est pour cela qu'elle veut se doter d'un outil. Alors, n'est-ce pas, je de quelle dis, constitution la RCA en a besoin actuellement? Pardon? De quelle constitution la RCA en a besoin actuellement? Mais la constitution qui sera l'émanation de la volonté légitime de son peuple. C'est tout. Elle n'a pas besoin d'un instrument fabriqué de briques et de brocs avec des contradictions en pair qui ne permettent pas justement une cohésion à la fois nationale et institutionnelle et justement gage d'un décollage économique, social et culturel. C'est ça le problème. Cette constitution, excusez-moi, tout à l'heure mon ami Eloge a parlé de chiffon, mais dans des pays qui se respectent, personne ne peut accepter quand même une telle, j'allais dire, légèreté. Surtout de les qui organisent toutes les lois dans le pays. Donc qui vous affecte? Qui affecte tout le monde? Et qui projette le lendemain, n'est-ce pas, de ce monde-là? Ça veut dire que nous sommes dans le chaos. On va entretenir un chaos permanent en Centrafrique. C'est ça qu'il s'agit, madame. Les gens se sont organisés pour que dans un pays, il n'y ait jamais l'exercice plein et entier de la volonté populaire. Pour justifier et leur présence et le fait que
le Centrafrique doit continuer à être cet espace, ce ventre mou, n'est-ce pas, de l'existence même humaine dans notre continent. Et ça, c'est ce que refute le peuple, la jeunesse aujourd'hui, c'est ce que refute les femmes aujourd'hui, c'est ce que refute l'ensemble du peuple centrafricain qui estime que le moment est venu pour elle de se réapproprier, n'est-ce pas, de cette de cette constitution et de se réapproprier de ces armes historiques qui ont fait l'honneur de la Centrafrique. On ne parlait pas assez, n'est-ce pas, de l'histoire de ce pays. C'est une histoire grande. C'est une histoire de vaillants résistants africains. C'est une histoire des Africains qui ont montré le chemin à d'autres Africains. Ce n'est pas ceux-là dont les ancêtres ont montré le chemin à d'autres Africains qui doivent continuer à être aujourd'hui considérés comme des attardés mentaux, incapables eux-mêmes de penser par eux-mêmes, incapables eux-mêmes de se projeter dans l'avenir, mais incapables eux-mêmes de se doter des outils qui vont leur permettre justement d'assumer leur indépendance, leur liberté et leur souveraineté. Alors, je me suis dit, si tu as bien constaté avec moi, monsieur Elo, je te fais que secouer la tête depuis que Parfait Parfait Ndong s'exprime. Alors, franchement, vous avez quelque chose. Bien sûr, tout ce que dit Parfait Ndong, c'est absolument vrai, au point où je le suivais religieusement et je pense que ceux qui nous suivent... C'est partagé. Merci beaucoup. Ceux qui nous suivent doivent comprendre que, vous voyez, les grands panafricanistes, des gens qui suivent de près l'évolution socio-politique de la République centrafricaine, qui connaissent l'histoire de notre pays, viennent même parler de ce pays mieux que ceux-là, mieux que nous qui disons que nous sommes politiques. Nous défendons notre pays, nous allons défendre la Constitution. Ils parlent de bloc, de quel républicain? C'est des destructeurs, vous voyez, au sein de ce bloc, ce sont que des gens qui sont considérés aujourd'hui par les Centrafricains comme des parrains de la nébuleuse Séléka qui avait détruit, qui avait endeuillé ce pays. Et ce sont ces mêmes personnes qui se retrouvent aujourd'hui au sein de ce bloc pour pouvoir essayer de démotiver, de décourager le peuple centrafricain de ne pas aller à sa nouvelle constitution. Mais je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Ils ont perdu parce que la population a compris, la jeunesse centrafricaine est debout, je vous le dis, et je pense que je mettrai la main au feu pour dire qu'il n'y a pas un autre, il n'y a pas un seul centrafricain, il n'y a pas un seul jeune qui est aujourd'hui derrière ces gens. Tout ce que vous voyez au sein de ce minable, permettez l'expression, bloc, ce sont que comme appelait comme disait Jean-Marie Bayard, c'est des gens qui appliquent la politique du ventre. Parce qu'ils cherchent, à avoir quelque chose et ils pensent que le président Ouadéra, c'est quelqu'un qui va céder facilement au chantage. Non, faisons ça, parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils font et puis on les appelle au gouvernement, on leur donne des postes de responsabilité. Ça ne sera plus le cas. Nous voulons notre constitution et je pense que le président Ouadéra, c'est une chance pour notre pays. Et cette chance, nous ne voulons pas la rater. Nous voulons saisir notre chance. Et aussi, pour terminer, pour chuter, je pense que quand on parle de l'écriture d'une constitution, dans le cadre espèce, dans le cadre de la République centrafricaine, parce que quand on parle de ça, tout le monde dit, oh, on veut donner, on veut pérenniser le pouvoir du président Ouadéra. On veut un troisième mandat. Mais juridiquement, un troisième mandat, ça n'existe pas. Hein? On ne peut pas parler de troisième mandat. Oui. Troisième mandat, parce que nous, quand on parle de la nouvelle constitution, une nouvelle constitution implique, n'est-ce pas, une nouvelle république. Et c'est au nom de cette nouvelle république qu'on va, si le président Ouadéra veut se présenter, il se présentera. S'il ne veut pas se présenter, c'est lui qui décidera, mais le peuple aussi lui dira son mot. Mais c'est justement ce que le bloc pense, que c'est juste pour accorder un troisième mandat au président Ouadéra. Mais je dis que juridiquement, c'est un terme qui n'est pas logique. Dans la logique juridique, on ne peut pas parler de troisième mandat du moment où il y a une nouvelle constitution.
Je ne comprends pas pourquoi les gens insistent sur le terme troisième mandat et ça ridiculise. Ça les ridiculise. Et quand je les entends parler de troisième mandat, j'ai dit mais d'où ils sortent cette expression? Parce que troisième mandat dans le cadre de l'ancienne constitution, si c'est ça peut-être, ok. Mais ça ne sera pas possible parce que l'ancienne constitution prévoit deux mandats. Mais parler de troisième mandat, je trouve que c'est ridicule. Parce que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution veut dire une nouvelle république. Et aussi, la République centrafricaine n'est pas le seul pays à aller vers des réformes constitutionnelles. Je vais citer deux exemples. Les États-Unis, qui constituent la plus grande démocratie au monde, a fait pas moins de 14, je ne sais pas si je me trompe pas, 27 amendements. Je reviens en France, 24 révisions constitutionnelles. Sous le président Jacques Chirac, il y en a eu 10. Sous le président Mitterrand, il y en a eu 14. Donc, vous voyez, c'est des choses qui existent. Parce qu'il faudrait adapter, il faudrait que la constitution soit adaptée à l'évolution politique du pays, aux réalités du pays, au contexte socio-économique du pays. C'est normal. On peut réviser mille et une fois la constitution. Ce n'est pas la Bible, la constitution. La constitution n'est pas le Coran. Parce que ce sont là des textes religieux qu'on ne peut pas toucher. Et comme disait Parfendang, ce n'est pas un fétiche qu'on ne doit pas. Oh, si on touche, on va mourir. Si on touche. Ah, non, c'est nous qui avons. Je dis nous parce que c'est l'homme qui a écrit cette constitution. Et l'homme peut aussi dire décider de modifier. Je vais modifier, je vais carrément changer parce que ça ne convient pas à mes réalités. C'est comme un costume. Si le costume que vous me donnez ne me convient pas, je peux amener chez un tailleur pour modifier afin que je sois à l'aise dans ce costume. Cette constitution, le peuple n'est pas à l'aise dedans. Monsieur Elodie, voilà pourquoi selon il faut vous, absolument pourquoi le bloc ne veut pas que cette nouvelle constitution soit réécrite? Tout simplement parce que il pense que dans la logique actuelle, il faudrait que le président, dans leur tête, eux, ils ne voient que, ils personnalisent le débat. D'accord. Et ils ne voient que le président Ouattara. Mais ils oublient que la loi a un caractère général et impersonnel. Lorsqu'on écrit la loi, lorsqu'on écrit un texte juridique, on ne pense pas à Parfait, on ne pense pas à Gypsy, ni à Alice, ni à Dr. V, ou à n'importe qui. Mais on pense à la République. Alors donc pour eux, ils ont ramené le débat au niveau du président Ouattara, ce qui est un faux débat, et dans leur logique, ils veulent tout simplement, je vais vous dire une chose, et ça c'est la vérité. D'accord, allez. Ces gens, ils veulent une nouvelle constitution. Ils veulent, et réellement, ils veulent une nouvelle constitution. Mais ils veulent cette nouvelle constitution dans leur tête, il faudrait que le président Ouattara ne soit pas là. Mais quand et même. Pourquoi et, mais c'est justement, ils ont un agenda. Leur agenda, c'est de venir piller la République. Oui. C'est de venir rembouer leur boyau. Mais ils ne pensent pas au peuple comme le président Ouattara est en train de le faire. Le chef de l'État est arrivé dans ce pays, je vous dis, et je le dis avec beaucoup d'émotion. Ce pays était à terre. Et si nous aimons réellement notre pays, si nous aimons réellement ce pays, on devait dire, monsieur le président, allez-y. Nous vous soutenons. Nous vous soutenons, on est avec vous, monsieur le président. Changez-nous cette constitution. Même les gens qui sont aujourd'hui en train de dire non, cette constitution, il ne faut pas la changer, il ne faut pas la toucher. Ce sont ces mêmes personnes qui, hier, disaient il faut, au lendemain de la nouvelle de la constitution du 30 mai 2016, eux-mêmes, ils disaient cette constitution-là, il faut rapidement la changer. Eux-mêmes, ils le disaient. Voilà. Monsieur Parfendom, lorsqu'on parle quand même, monsieur Elo tout à l'heure a mentionné la priorité du ventre. Est-ce que pays justement qui essaye de se reconstruire, c'est pas un danger? Mais d'abord, je dis sincèrement que les jeux politiques, les confrontations politiques, les oppositions dans un cadre normal sont tout à fait valables. Elles sont tout à fait valables. Ça fait partie de la dynamique même politique dans un État. La Centrafrique, le Centrafrique n'est pas un État comme les autres États. Elle a cité des démocraties tout à l'heure, entre guillemets, ce qu'ils appellent les démocraties. C'est ça aussi, c'est un autre débat. Et on peut bien questionner. Mais ce qu'on. Pour aller dans son sens, c'est pour dire quand même que la plupart de ces États, leur constitution est l'émanation profonde de la volonté du peuple. Du peuple, oui. Alors que ici, nous avons un outil, en réalité, on ne sait pas d'où ça a été écrit.
mais qui ne répond pas aux aspirations du peuple, ça se voit. C'est juste des représentants qui sont partis. Mais oui, il faut que ça décolle. Et c'est souvent le cas de la plupart des pays. Ce n'est pas seulement une exception de la Centrafrique. Hein? C'est la plupart des pays qui sont dans le prétendu précaré français, qu'est-ce qu'on a vu? Je vais vous donner deux exemples. D'accord. Je commence par mon pays, le Cameroun. Sa première constitution, les Camerounais ne sont jamais assis. Même la création de l'État camerounais. Hein? L'État camerounais est créé par la France. C'est la vérité. On a fait venir un constitutionnaliste français du nom de Maurice Duverger. C'est lui qui rédige la première constitution camerounaise entre les années 57-58. Et depuis lors, on a fait que la retoquer. Donc ça pose la question d'une constituante authentique au sein de nos États pour redonner la parole au peuple. Et c'est là ce débat qui a commencé. C'est ça le charme, le génie du gouvernement centrafricain. C'est-à-dire, on a un problème, je remets le débat au sein du peuple. Donc le débat s'organise. Il devait être dynamique ce débat dans toutes les sphères, dans toutes les franges de la société centrafricaine. Et après, on s'assure ce débat par un vote référendaire pour que le peuple se donne lui-même les moyens et la capacité pour avoir construit un instrument de développement et qui va dans le sens de ses aspirations. Je vous rappelle déjà que dans les années 58, c'est là où on voit le retard et qui s'explique par ce que j'appelais cette chienne organisée où il n'y avait plus d'État, il n'y avait pas d'école, les enfants n'avaient pas droit aux services sociaux de base. Quand on roule aujourd'hui dans la ville de Bangui, on se dit mais c'est pas possible. Bangui est en chantier, il y a quand même les investisseurs qui arrivent. La question de la crypto-monnaie va contribuer évidemment à contourner l'obstacle, cet obstacle majeur que constitue cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA, pour attirer davantage les investisseurs. Et c'est l'occasion pour moi d'appeler tous les investisseurs africains, surtout en premier, de venir. C'est ainsi que ça se fait, que ça se joue. Enfin, l'Afrique est libre. Est libre. Et elle leur dit, venez. Donnez-nous la main pour donner une naissance à un nouveau paradigme de développement endogène avec nos propres idées. Elle l'a démontré. J'allais apprendre cette boutade à rigola. On dit c'est de Bethléem. Qui aurait pu penser que c'est de Bethléem que sortirait le sauveur que pour ça les chrétiens? Ah oui, mais maintenant, c'est Centrafrique qui était rejeté, piétiné, insulté. C'est de là que rejaillit l'étoile, n'est-ce pas, ce black star africain qui va permettre maintenant à tous les Africains d'être fiers. La fierté africaine, voilà, elle est en train de prendre corps aussi aux jeunes en Centrafrique. Donc je disais, c'est déjà dans les années 50, on avait des leaders comme le cas de Bartholomew Bonganda qui disaient, il faut libérer l'Afrique et les Africains de la servitude et de la misère. C'est exactement ce que nous constatons sous le magistère du président Faustin Archange Touadéra. Libérer le Centrafrique, n'est-ce pas, de la misère, libérer le Centrafrique de la servitude. Il a pris les cinq verbes. Bon, alors, et mieux encore, ce que nous constatons dans les manipulations de cette édite, c'est qu'en réalité, elle crée des clivages. Il faut faire attention. Et déjà, encore à cette époque, on nous mettait en garde contre ces différents clivages. Et ils sont énumérés, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est toujours ce grand leader qui le dit. Il dit, la division, le tribalisme et l'égoïsme. Ici, dans le cadre de cette affaire, la conscience, c'est d'abord l'égoïsme. L'égoïsme, pourquoi? Parce que les gens étaient habitués aux avantages et aux rentes qui leur étaient gracieusement offerts, n'est-ce pas, par le maître colonial de l'époque. Et ils veulent ce statu quo. Alors qu'aujourd'hui, la jeunesse centrafricaine, les femmes centrafricaines demandent, n'est-ce pas, de nouveaux horizons pour eux. Et ces horizons qui doivent être en réalité une construction de leur propre volonté pour aller dans le cadre de l'avenir. Et c'est pour ça que je le dis, parce que un peu avec l'émotion, pour dire à nos frères, l'homme noir n'est pas la périphérie de l'humanité. D'accord. Et c'est pour cela qu'à l'époque, vous vous souvenez, pour ceux qui disent, ce leader disait encore, tout être humain est une personne. Un homme vaut un autre homme. Et il le disait dans la langue que nous avons aussi chez nous. Excusez-moi, je peux écorcher, mais je suis un bantou. D'accord. D'accord. On va parler de toute autre chose à présent, patient parfait, donc, parce que justement le temps commence à nous tenir à la gorge. Alors on va planter le décor en prenant un extrait du professeur Faustin Archange Touadéra qui s'est justement exprimé hier lors de la clôture du séminaire gouvernemental avec le concours de la région. On va prendre cet élément.
Ben, comme je l'ai dit dans mes propos, d'abord à l'ouverture, en tout cas merci beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est un séminaire gouvernemental pour recentrer le gouvernement autour de certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, avec la crise, avec d'autres situations, vous savez que beaucoup de certain nombre de partenaires ont suspendu les appuis budgétaires pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais on doit se retourner sur vraiment une mobilisation de ressources internes accrues. Et pour ça, c'est pour ça que ce séminaire a été convoqué. Ça a permis à tous les membres du gouvernement, chacun dans son secteur, de présenter les atouts, les défis, et puis aussi des relations avec un certain nombre de partenaires, parce que certains partenaires travaillent dans certain nombre de secteurs, donc on doit tout faire pour recentrer et aussi permettre à chaque membre du gouvernement de connaître ce qui se passe aussi, c'est-à-dire le travail interministériel. Bon, une évaluation. Et donc, il y a des recommandations pour permettre, justement, dans un premier objectif, la collégialité et aussi la mobilisation des ressources et permettre aussi à chacun de connaître les difficultés et aussi les opportunités pour chaque département. Donc je suis satisfait, j'ai participé à quelques débats, des échanges pendant ces périodes. Ce sont des échanges francs, débats très fructueux. J'en suis satisfait. D'accord, et parlons de la question de Sango, monsieur le président. Quelle Sango Coin. On sait actuellement que le pays est quand même victime de plusieurs attaques, notamment le FMI qui a bloqué. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez essayé d'aborder ce sujet? Non. Le Fonds monétaire n'a pas bloqué. Aujourd'hui, nous sommes en dialogue avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, même la BEAC. Ils vont envoyer des experts ici pour que nous puissions voir, échanger pour travailler sur les décrets d'application de la loi. Donc, il n'y a pas de blocage. Hein, et il y avait un certain nombre d'inquiétudes sur le projet, mais à travers cet nombre d'échanges, ils ont compris que il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Seulement, il faut être ensemble pour travailler, lever un certain nombre d'équivoques. Aujourd'hui, on ne peut plus reculer avec les monnaies numériques. Il faut se rendre à l'évidence. Bon, c'est peut-être... on ne s'est pas pris de... Mais on a été un peu plus vite. Et c'est pour ça inquiète. Mais aujourd'hui, quand on y réfléchit, vous voyez bien que toutes les institutions financières commencent à développer la réflexion autour de cette problématique. On ne peut plus reculer avec le numérique, on ne peut plus reculer. On a vu avec l'Internet, on a vu avec la digitalisation aujourd'hui, c'est en avance. Donc, ce sont des inquiétudes que nous qualifions de normales. Mais il faut que les gens ne se précipitent pas pour prendre des décisions qui pourraient être irréversibles. C'est de s'attabler, de discuter, de voir comment les choses vont évoluer. On ne peut plus reculer avec le numérique. Merci. Je vais vers vous, monsieur Eloge. Votre réaction en vue de ce qu'a déclaré le chef de l'État concernant la crypto-monnaie. Mais écoutez, le chef de l'État, comme d'habitude, il a été très optimiste et c'est cet optimisme qui est aujourd'hui épousé par l'ensemble des Centrafricains depuis que le projet de la crypto-monnaie a été lancé et jusqu'à ce que la représentation nationale puisse donner une force légale en l'adoptant. Mm-hmm. Et ça a été promulgué. Aujourd'hui, c'est devenu une loi et nous ne pouvons plus nous en passer, vient de dire le chef de l'État. C'est une évidence. Mm-hmm. Et cette évidence, nous pensons que même les institutions financières internationales ne se mettent plus à l'écart. Ces institutions commencent à développer des réflexions pour essayer d'adapter les choses. Parce que vous savez, la crypto-monnaie, c'est une chance pour permettre à la puissance centrafricaine d'être autonome.
d'avoir cette facilité de travailler avec des partenaires, des investisseurs. Nous en avons besoin. Tout à l'heure, monsieur, mon cher ami Parfait Nang a rappelé, a fait mention des réalisations du chef de l'État. Et c'est visible, sauf les aveugles diront le contraire. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez, il y a même des quartiers d'affaires qui commencent à naître dans la ville. Mais soyons sérieux. Et ce n'est pas seulement à Bangui. Voilà, il y a ça. Et à côté, vous voyez, ça pousse comme des champignons. Mais ça, c'est quoi? C'est le climat des affaires. Ouais. C'est rendu possible grâce à la politique du chef de l'État. La politique qui consiste à donner la chance à tout le monde de développer des moyens, de faire venir les investisseurs. Les investisseurs viennent eux-mêmes maintenant. Les gens, ils demandent tout le temps. Moi, je suis en contact permanent avec des gens qui, malheureusement, vous savez, il y a toujours dans une république, il y a des gens qui ne comprennent pas et il y a des gens qui travaillent contre le développement du pays. Quand il y a certains partenaires qui veulent venir, ils disent « Non, mais vous savez que là-bas, ça ne va pas. Vous allez investir dans le... Il y a l'insécurité. » Mais oh, c'est faux. Mais eux-mêmes, ils viennent. Quand vous prenez l'avion, tout le temps, il y a des investisseurs qui viennent. Ça prouve que le climat des affaires est bon. Ça prouve que les choses avancent et nous pensons qu'avec la crypto-monnaie, nous allons avoir cette possibilité. On ne va plus passer par les banques colonialistes qui vont nous empêcher de décaisser nos fonds. Ça va merci être direct. Monsieur Loge. Alors, monsieur Ndombo. Alors, passons par Fendom. Donc, justement, le président, dans son propos, a mentionné la visite justement de cette institutions telles que le FMI, la BDAC, la Banque mondiale. Est-ce que vous pensez justement qu'il... Je vais dire, est-ce que vous pensez que le Sangokoin sera justement relevé à ce niveau? Non. Ou bien la valeur du Sangokoin sera reconnue, selon eux en fait? Le drame des Africains, c'est que souvent on ne sait pas apprécier à sa juste valeur les visionnaires, les leaders visionnaires de notre continent. J'ai comme l'impression que pour beaucoup qui sont encore comme un peu traumatisés par la violence, la barbarie, la criminalité, n'est-ce pas, des pays impérialistes dans cet espace que la Centrafrique, ils sont incapables de se projeter dans l'avenir. Oui. La force et la puissance du président Fonson Akan Touadéra, c'est de dire, je suis dans un espace où une misère endémique a été organisée, où on a refusé une quelconque souveraineté de notre pays pour pouvoir organiser et projeter et se projeter dans l'avenir, n'est-ce pas, en organisant son développement par le biais d'une monnaie nazie qui continue d'être imposée à 14 pays africains plus des communs qu'on appelle le franc CFA. Ne l'oubliez pas, c'est un matin que trois individus, n'est-ce pas, M. René Pleven, le général de Gaulle et Jean Soustaine, que j'appelle trois brigands, se sont réunis dans une chambre. Pas jusqu'à ce niveau. C'est mon point de vue que je dis. Parce que ça impacte dans la vie de mes enfants au quotidien. Ça impacte dans l'avenir, dans notre propre capacité à nous élever au quotidien et à être à la hauteur des autres pays du monde. Ils se sont réunis dans une chambre et ils ont créé cette monnaie. On peut revenir, c'est un débat sur le franc CFA. Maintenant, on est coincé. C'est comme une agence fricage, ce franc CFA. Tout projet de développement que vous voulez organiser dans votre pays, ça n'est pas par vous. Il faut que le OK soit donné ailleurs. Ah non, on ne peut pas mettre à disposition des fonds pour ce que vous voulez faire, pour les écoles, pour l'addition en eau potable, pour les questions d'électricité, etc. Parce que, bon, notre compte d'opération ne nous donne pas le OK pour le faire. C'est quoi cette histoire? Alors, le président Touadéra regarde. Il dit, OK, je suis enseignant de la crypto. Je me projette dans l'avenir. Donc, je vais le faire. Et ils créeront ce Sangokoin. Et quoi? Contrairement à ce que les gens disent de gauche à droite, toutes les banques mondiales de tous les pays du monde, et même occidentales, ils sont déjà à fond dans ce projet. Le problème, c'est que pourquoi c'est la Centrafrique qui a pris l'initiative? Est-ce que vous ne pensez pas justement que tous les pays africains devraient suivre l'exemple de la Centrafrique? Mais c'est ce que nous disons depuis des décennies, de dire, surtout depuis que le président Fonseca Akan Touadéra, bien avant le Mali d'ailleurs, a été le premier à sonner le tocsin de la révolte en disant aux Africains, on ne peut plus continuer à vivre sous ce joug-là. On dit aux Africains, venez soutenir, n'est-ce pas, cette dignité africaine en marche. Et cette dignité africaine en marche,
C'est ça la modification, la réécriture de cette constitution. Cette dignité africaine en marche, c'est justement cette capacité, mon cher Eloge, de se doter des armes sur le plan financier pour contourner l'obstacle de cette agence de flicage économique qu'on appelle le franc CFA et sortir, n'est-ce pas, notre environnement et surtout l'Afrique de cette misère endémique, de cette insulte permanente de l'incapacité des Africains à pouvoir penser par eux-mêmes pour essayer de résoudre les questions existentielles qui sont les leurs. C'est ça le sens, n'est-ce pas, de la création de cette crypto-monnaie. Ce n'est pas parce que c'est une question de mode, c'est une question d'efficacité dans la résolution d'une question qui est complètement bloquée. Qui est complètement bloquée parce que imposée de manière violente par le maître colonial, excusez-moi le terme, mais qui continue par des manœuvres diverses à ne pas permettre un décollage réel de cet espace au vu des richesses incommensurables, énormes que ce pays regorge, mais aussi de la qualité des hommes. Je viens d'avoir encore une fois de plus la preuve ici. Donc je dis à ceux qui nous écoutent, surtout aux pays africains, à nos frères de la diaspora, venez. Venez investir ici. Vous ne le regretterez pas. Pour deux raisons. Sur le plan moral, vous rendrez utile vis-à-vis de votre peuple, le peuple africain et le peuple centrafricain. Mais aussi sur le plan personnel, parce que les gens aiment quand même se faire un peu d'oseille, je peux leur dire oui, ça vous permettra de vivre mieux et de tutoyer les autres citoyens du monde qui sont dans des espaces économiques, mais aussi organisés, qui leur permettent justement de créer des situations pour créer des plus-values dans leur investissement et dans leur effort. Voilà, si nous sommes justement arrivés au thème de cette émission. Alors, merci à vous, monsieur Eloge Koy, qui est rapporteur du Cercle de réflexion pour une constitution républicaine. Merci à vous, monsieur Parfendom, aussi, d'avoir été avec nous sur ce plateau. On se donne rendez-vous à demain. Alors, Alice. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien compris. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition spéciale. On va justement renvoyer l'antenne au plateau central à Douala, où Baudelaire Nguyen et son panel de chefs sont donc déjà en attente. Vous, chers téléspectateurs de For You Media et de la télévision centrafricaine, Bachir Ladan et Sike Ndoumbé vous donnent rendez-vous ce soir lorsqu'il sera 18h pour une autre édition spéciale plus intense. Quant à moi, je vous retrouve demain justement accompagné de la belle Jupsi lorsqu'il sera 7h. Au revoir. Édition spéciale en direct d'ailleurs de Bangui. Merci à vous Galé et Bokia, bien sûr, et ainsi qu'à votre binôme de ce côté, la crypto-monnaie, le Sangokogne, la réécriture de la constitution, du moins le désiderata même du peuple centrafricain, plus que jamais décidé à avoir une nouvelle constitution qui réponde bien sûr aux réalités du pays. Peut-être un mot sur cette thématique évoquée en direct de Bangui, monsieur Claver Kodo. La constitution, on l'évoquait d'ailleurs en coulisses, n'est pas figée. C'est ce qu'on retient. On peut la modifier à n'importe quel moment en fonction bien sûr des réalités qui s'imposent. Bien sûr, la constitution dépend de l'évolution contextuelle. Il faut savoir la modifier et surtout l'adapter aux exigences et autres enjeux liés à l'avenir ou au devenir d'un pays donné. Maintenant, il s'agit d'avoir très souvent de faire preuve d'audace, d'audace pour y arriver. Et dans le cas de la Centrafrique, on constate quand même que c'est un élan qui est venu du côté du peuple et qui a éradié le sommet de l'État, ce qui permet aux autorités centrafricaines aujourd'hui de pouvoir modifier cette concession à la demande du peuple et en fonction de certains projets porté par le gouvernement. Et je me suis plu à écouter l'un des panélistes du côté de Centrafrique qui rappelait que même la France a eu à modifier sa constitution à plusieurs reprises, autant que les États-Unis, mais les médias occidentaux ne nous en parleront jamais parce qu'ils veulent nous entuber, ils veulent nous manipuler, ils veulent nous faire présenter le mauvais côté de la chose. Or, chez eux, ça se passe également de cette façon. C'est-à-dire c'est qu'ils acceptent chez eux. Ils l'interdisent. Ils l'interdisent chez nous, effectivement. C'est inconcevable. Il y a un paradoxe quelque part. C'est un paradoxe, mais ça a des sens. Ça a des sens parce que ces médias sont au service de la prédation internationale, dont la France est l'un des meilleurs, est un loup dominant, vous comprenez. Donc, c'est tout simplement des tentatives de manipulation. Je pense qu'il faut féliciter le peuple centrafricain et ses dirigeants parce que là, c'est une étape extrêmement importante qui est en train d'être franchie pour la renaissance. Je peux parler de la renaissance de ce pays qui, depuis quand même plus d'un demi-siècle, est sous le coup des troubles, du chaos. Et ceux qui ont payé le prix de ce chaos, ce sont des populations qui, en fait,
se sont retrouvés pris en otage par des forces politiques exogènes et néfastes, comme celles qu'on évoquait et qui ont organisé une manifestation foireuse à Bangui il y a quelques jours. Donc vous comprenez, l'audace de l'actuelle équipe dirigeante permet aux Centrafricains et à nous, les panafricanistes, de rêver, de se dire ben, tiens, waouh, ça avance quand même de ce côté. Et à cela, il faut donc ajouter l'entrée en scène de la crypto-monnaie qui est adoptée par la Centrafrique. Je vous rappelle aussi qu'il y a un Camerounais qui a participé à l'élaboration de ce projet du côté-là et qui l'anime d'ailleurs, c'est Émile Parfait-Sim, qui a fait l'objet d'un tir groupé des médias occidentaux avec leurs pendants locaux et au Cameroun, au point où on est arrivé à s'interroger exactement quelles étaient les motivations. Aujourd'hui, on comprend pourquoi tout cet acharnement, simplement parce que la crypto-monnaie est un facteur de souveraineté monétaire. Et ça, on ne l'avait pas compris, mais quand un mathématicien et un informaticien s'associent dans un projet comme celui de la crypto-monnaie du Sangokouin en Centrafrique, c'est-à-dire le président Toadera, Émile Parfait-Sim, qui est informaticien, on est sûr qu'il y a quelque chose de beau qui peut naître de ce binôme. Et encore que là, même la Russie a tenu une réunion stratégique il y a deux jours. Le gouvernement russe a tenu une réunion stratégique il y a deux ou trois jours pour adopter également sa crypto-monnaie. Donc vous comprenez que la crypto-monnaie est plus que jamais la voie de l'avenir pour la souveraineté des États qui veulent se développer et utiliser leurs ressources en faveur de leur développement. Les autres n'ont qu'à se plaindre parce que sinon rien, ce n'est pas de notre faute de toute façon. Donc ce qui se passe en Centrafrique, c'est une véritable révolution dans l'intérêt des peuples du peuple centrafricain et même des peuples africains. Parce que là, la Centrafrique est en train de poser des bases de souveraineté monétaire et des bases d'une gouvernance publique qui devrait la mettre à l'abri des troubles à caractère social, comme c'était le cas, mais aussi lui permettre de se projeter en faveur de son développement macroéconomique. Voilà donc le peuple centrafricain qui est à féliciter. Contre vents et marées, Nestor Podassé, finalement, la République centrafricaine a réussi à adopter sa monnaie électronique, le Sangokoin. Un mot quand même sur cette nouvelle dynamique aujourd'hui qui vient fortement concurrencer le franc CFA, ou du moins pourrait représenter dans le futur une menace pour le franc CFA. Bon, une menace pour le franc CFA. Pour moi, le franc CFA doit disparaître. C'est tout bon panafricaniste souhaite aujourd'hui que le franc CFA disparaisse parce que c'est une monnaie esclavagiste. Jusqu'à présent, quand vous écoutez bien, du franc des colonies françaises, CFA. Ouais. Ça fait mal quand même. Ouais. Ça veut dire que nous sommes toujours colonisés à travers cette monnaie. Donc pour moi, c'est l'occasion pour tous les pays africains de quitter cette monnaie-là, d'abandonner cette monnaie carrément. Et cette monnaie numérique est bonne, mais ce n'est pas arrivé. Il va falloir que la Centrafrique et les aides de tous les pays d'État de l'Afrique centrale, tous ceux qui consomment le franc CFA en Afrique centrale, quittent cette monnaie-là. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, les 8 pays de l'EMOA qui consomment le franc CFA, quittent cette monnaie-là. Et maintenant, ils vont se retrouver pour faire monnaie unique. Et ensuite, faire monnaie africaine. Moi, ma vision, c'est de voir les 54 pays d'Afrique consommer monnaie unique. Avoir marché unique. Avoir banque centrale unique. Avoir banque d'investissement unique. Avoir fonds monétaire africain unique. Voici les 3 choses et les 4 choses qui peuvent nous évoluer. Sinon, si on va aller individuellement, Centrafrique fait ci, Cameroun fait ça, et Gabon fait ça, Congo-Brazza fait ça, RDC fait ça. Moi, je trouve que c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. C'est un bon début, mais c'est pas arrivé. Il faut aller à la vision communautaire. Et je pense que c'est pas impossible. C'est une question de volonté politique. Et si aujourd'hui l'Afrique décide de se mettre ensemble, le monde ne peut pas nous rayer de la carte. C'est pas possible. Notre population, nous avons une jeunesse la plus conscientisée, la plus éveillée aujourd'hui. Je vous dis vrai, la jeunesse africaine est la jeunesse la plus conscientisée de tous les continents aujourd'hui. Bien vrai que les réseaux sociaux et les médias ont été créés pour contenir cette jeunesse dans la distraction, à ne pas réfléchir à l'essentiel, mais nous autres, ils n'ont pas réussi à nous dompter. Et nous, notre intervention dans les médias, sur les réseaux sociaux, ça influence et ça commence à réveiller la jeunesse. Donc aujourd'hui, la jeunesse a un niveau de conscience très élevé
Et je ne pense pas que si l'OTAN engage la guerre contre un pays africain, comme ce qui s'est passé en 2011 contre Kadhafi, ça va marcher, ça va marcher. Parce que vous avez vu ce qu'on voulait faire au Mali, toute l'Afrique s'est levée, vendez-vous pour soutenir le Mali. Donc, ça veut dire qu'il ne peut rien nous faire. Oui. Donc, ce que moi je demande aux États africains, d'abandonner leur égocentrique, d'abandonner leur vision clanique et ethniciste, et puis maintenant aller dans l'unité africaine de façon sincère et réelle. La Guinée équatoriale est là, la Cameroun là, Centrafrique là. Moi je trouve ça. Bon, c'est comme si c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Sinon, ce que Centrafrique fait, c'est bien, mais à lui seul, ça va avoir quel impact à long terme. Ça n'ira pas loin. Alors que non, si c'était de façon globale, soit au niveau de la CEMAC ou bien au niveau de la BAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, ou bien toute l'Afrique, ça allait avoir un grand impact. Oui. Mais alors à l'individualisme. Le retour de Nestor Podassé, nous l'aurons dans un court instant. Ce que dit quand même Nestor, M. Kodo, est pertinent. C'est-à-dire que l'exemple centrafricain aujourd'hui devrait parler à d'autres nations. Il faudrait surtout qu'on évite d'adopter des réformes de façon unilatérale ou alors y aller de façon à en disperser. Il faudrait qu'on suive surtout la dynamique qui est impulsée par certains chefs d'État aujourd'hui. Il est plus urgent aujourd'hui d'adopter une attitude pareille sur le continent. Eh bien, vous savez, l'idéal serait que cela se passe dans un cadre communautaire, mais vous conviendrez avec moi que tous les chefs d'État africains ne sont pas aussi libres que l'on le croit. Il y a certains qui sont résolument à la solde de la France. Quand vous prenez le cas d'une personne comme le président Ouattara de Côte d'Ivoire, vous n'allez pas l'associer dans un projet de conscience d'une certaine souveraineté de l'Afrique, quel que soit le domaine. Donc, je pense qu'il faudrait que des individualités se dégagent pour pouvoir mutualiser leurs énergies le moment venu afin de susciter désormais une adhésion collective de ceux qui préfèrent encore rester des observateurs ou alors de ceux qui ne sont pas du tout disposés à les rejoindre dans ce mouvement d'ensemble dont l'idéal serait qu'il concerne tous les pays africains. Ouais. Mais connaissant les mentalités de certains dirigeants et les rôles qui leur sont affectés par l'ancienne puissance impérialiste, moi je doute que tous ces dirigeants puissent adhérer dans une démarche comme celle qui est en train de prendre corps du côté de la Centrafrique. Donc c'est mieux de voir les individualités commencer à se mettre ensemble avec l'espoir qu'ils vont créer des fédérations et des confédérations à la fin pour pouvoir justement atteindre cet idéal qui serait de voir une Afrique unie avec une monnaie unie et tout le reste. Mais pour être unie, il faut être libre. Or, dans un système où certains pays africains ne jouissent pas forcément de toute la liberté, de toute la souveraineté, il est difficile d'espérer que cela va se réaliser dans deux jours ou dans deux mois. Ouais. Il est donc question pour certains chefs d'État audacieux, comme c'est le cas de la Centrafrique, de prendre le destin de leur pays d'abord en main pour que les autres puissent s'en inspirer et rejoindre ce mouvement qui, avec l'espoir qu'il deviendra un mouvement d'ensemble pour la majorité des pays africains. Entre réécriture de la constitution et développement infrastructurel par la crypto-monnaie, la République centrafricaine est-elle sur la bonne voie? Voilà la thématique d'ailleurs que nous abordions d'ailleurs dans le cadre de cette émission de For You Matin en direct de Bangui. Galé et Bokeya a pu vous édifier bien sûr avec son panel sur cette principale thématique là. L'occasion nous est donnée et offerte même pour revenir sur la Guinée. Oui, puisqu'avant de prendre Bangui en direct dans le cadre de cette émission de For You Matin, nous étions en train de parler de la Guinée, mais surtout de la transition des 12 mois du colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir. Qu'est-ce qui a réellement été fait jusqu'ici? Qu'est-ce qui n'a pas été fait alors qu'il devait être fait? En tout cas, nous sommes là également pour parler de ce bilan. Puisque hier, nous avons planté le décor avec, bien sûr, le bilan du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du côté du Burkina Faso. Nous retrouvons donc en train de parler de la Guinée tout à l'heure. Avant, bien sûr, que nous soyons coupés, Monsieur Kodo, on parlait justement du fait que le colonel Mamadi Doumbouya, jusqu'ici, il n'a toujours pas pris des mesures drastiques contre, bien sûr, la politique française du côté de la Guinée. Vous avez relevé ce plan-là comme étant, bien sûr, l'un des points qui marque aujourd'hui l'échec un tout petit peu du colonel Mamadi Doumbouya. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas également
assimiler cela à une volonté du président de la transition à vouloir tout centraliser sur lui. C'est-à-dire, dès sa prise de fonction, il n'a pas voulu, bien sûr, laisser les mains libres aux autres. C'est-à-dire, il a voulu gérer en main de maître. Et aujourd'hui, il se retrouve pris entre des manifestations en manifestation, le FNDC qui monte au créneau en permanence. Est-ce que cela n'est pas également lié au fait qu'il ait voulu tout gérer seul? Oui, disons qu'il faut faire la différence. Il y a un distinguo qu'il faudrait établir entre la transition malienne et la transition guinéenne et autres burkinabé. Vous savez, la transition malienne a été suscitée par le peuple malien. Oui. Et elle a été portée par des gens qui avaient déjà une vision, c'est-à-dire le colonel Assimi Goïta. Vous savez, il n'était pas seul indexé dans cette affaire. Ils sont, je crois qu'il y a un noyau dur de trois colonels qui, en fait, étaient à la manœuvre en ce qui concerne la transition du côté du Mali. Ouais. Or, du côté de... Et je vous rappelle quand même que ces trois colonels sont des étudiants et étudiés dans une académie militaire russe quelques mois avant. Quelques mois avant ça, moi j'ai des informations selon lesquelles j'ai un ami qui fréquentait le même foyer que. Ouais. Donc, c'est des gens qui ont mûri leur idée, qui ont mûri leur projet, et qui à un moment donné ont dit ben, écoutez, faisons-nous l'obligation de répondre à l'appel du peuple. Parce qu'en venant prendre le pouvoir, ils répondent en réalité à l'appel de leur peuple. Ouais, et ça, c'est pas certain que trois mois, six mois avant. Que ce soit le cas pour le colonel Doumbia. Ouais. Peut-être que le colonel Doumbia, à mon avis, a simplement saisi une opportunité qui lui a été favorable et s'est jeté à la dernière minute dans un processus auquel il n'a pas eu le temps d'associer d'autres personnes, d'autres têtes bien pensantes pour maturer le projet. C'est donc il y a d'ailleurs une différence entre la manière dont la transition se passe au Mali et les acteurs principaux et la manière dont elle se passe en Guinée avec pas tous les acteurs, avec moins d'acteurs principaux. Ouais. Donc il y a eu des concertations juste certainement bien avant, peut-être il y a deux ans, ouais. En ce qui concerne le colonel Assimi Goïta, ce qui n'est certainement pas le cas en ce qui concerne le colonel Doumbouya. Ouais. Certainement, Doumbouya s'est retrouvé au bon moment, au meilleur endroit et au bon moment et s'est jeté sur l'opportunité. Ça, c'est possible. Ce qui signifie que au niveau des épaisseurs idéologiques, c'est pas du tout la même chose. Et au niveau des hommes qui animent les transitions, ça ne peut non plus être la même chose. Parce que les autres au Mali savaient qui peut déjà faire quoi le moment venu. Mais ce n'est pas sûr que Doumbouya savait qui peut faire quoi le moment venu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il se retrouve de temps à autre totalement esselé. Et il est obligé de confisquer tous les pouvoirs pour pouvoir contrôler les actions portées par son magistrat à la tête de la transition du côté de la Guinée-Conakry. Est-ce que les manifestations qu'on observe contre le régime de Doumbouya en Guinée-Conakry sont des simplement qui ont fait plusieurs morts. Plusieurs morts avec le FNDC à chaque simplement fois. Sont simplement la conséquence de la désillusion de ceux-là même qui ont contribué au changement de régime. Ouais. Parce qu'en fait, la classe politique est déçue et certainement ne se sent pas sûrement associée dans la prise de décision du côté de la Guinée-Conakry, ce qui n'est pas le cas du côté du Mali. Et vous savez, même le gouvernement malien est un gouvernement où on retrouve des civils à des postes clés. Quand vous prenez un monsieur comme le premier ministre qui est souffrant, Choguel, ce n'est pas un aventurier. Au niveau de l'IPSR idéologique, tout ça, vous sentez que c'est un vieux roturier. Il est là et depuis 20 ans, il était opposant, il sait où il va, il tient le même discours depuis toujours. Or, ce n'est pas la même chose en Guinée-Conakry. Il est donc difficile pour le régime de Guinée-Conakry de pouvoir apporter des réponses précises aux attentes du peuple guinéen parce qu'ils se comportent un peu comme des aventuriers qui seront simplement saisis une opportunité. Oui. Et naturellement, dans tout ce jeu-là, dans tout ce cafouillage-là, la France
la France tire son épingle du jeu parce qu'elle est mieux organisée et elle peut mieux instrumentaliser certains acteurs et c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, Doumbouya n'a pas les coudées franches pour conduire une transition qui pourrait apporter des réponses précises aux attentes du peuple guinéen simplement parce que lui-même déjà c'est un produit français. Donc il ne peut pas conduire une véritable rupture vis-à-vis de la puissance impérialiste parce que c'est pas possible. Il a été rodé à l'école française et bien d'autres. Voilà. Donc il a eu le temps de se faire aliéner, se faire à la limite imbéciliser par l'influence française et rester donc maintenant à la solde de l'ancienne puissance colonialiste. Donc en réalité, il ne pourra pas changer grand chose dans le contexte actuel. Et je pense que les populations guinéennes l'ont déjà constaté et commencent même à déchanter. Nestor Podassé, est-ce que vous avez l'impression que le colonel Mamadi Doumbouya a été scellé? Quand on s'inspire des autres exemples, on parle bien sûr de l'exemple du Mali qui parle à l'Afrique tout entière. On retrouve à la tête de l'État le colonel Assimi Goïta qui est suffisamment bien entouré. On prend le premier ministre par intérim, Abdoulaye Baïga, qui est là, qui fait un travail remarquable. On prend le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. On sent clairement que voilà, il est suffisamment bien entouré, bien encadré. Du côté du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, on pourrait le dire également, il peut, d'une façon ou d'une autre, être également bien entouré. On prend le cas de Lionel Bilgo, qui est le porte-parole du gouvernement. Mais du côté de la Guinée, on observe, on va le dire comme ça, quelques différences quand même, parce qu'hormis Mamadi Doumbouya, il n'y a aucun autre nom qui émerge. Est-ce qu'on peut dire qu'il est scellé et c'est cela qui cause justement le fait qu'aujourd'hui, il ne réussisse toujours pas à mener à bien cette transition-là? Non, bon, dire que le colonel Doumbouya ne mène pas bien sa transition, c'est trop dit. C'est trop dit. J'ai donné quelques exemples ici quand il a soutenu le Mali pendant la fermeture des frontières. Oui. J'ai donné aussi quelques exemples des prisonniers politiques qu'il a tous libérés, ceux qui ont été arrêtés pendant la contestation du troisième mandat d'Alpha Condé. Oui. Et ceux qui étaient contre la modification de la Constitution. Oui. J'ai donné aussi des exemples de l'ancien président qui sont rentrés, Sokouba Konaté et Dadis Camara, mais les gens feignent de dénier ça comme si ce n'est rien. Alors que c'est quelque chose. Autant d'Alpha Condé, est-ce que Dadis Camara et Sokouba Konaté pouvaient rentrer? Tu ne penses pas? Mais aujourd'hui, ils sont rentrés. Donc tout ça, les gens font comme s'il n'a rien fait. Alors que c'est un geste énorme. Oui. C'est très très important. Il a entrepris des démarches parce que la Guinée était fracturée, la Guinée était déchirée. Et c'était presque au bord d'une guerre civile. Donc il faut travailler d'abord à recoller les morceaux avant de décoller. Oui. Voilà, tu es venu trouver un pays divisé par des querelles ethnicistes régionalistes internes. Ah, donc, il faut travailler à recoller les morceaux. Et une fois qu'il n'y a pas cette unité-là, c'est difficile de développer un pays. C'est, on ne peut pas qu'on va aller vite en besoin. Parce que chaque pays a ses réalités. Voilà, surtout que cette histoire de communautaristes et religieuses et ethnicistes en Afrique, c'est trop. Il y avait un imam qui priait en Malinké. Alpha Condé l'a fait enfermer. Il a libéré, oui ou non? Avec lui et ses adeptes, il les a libérés. Mais tout ça, les gens feignent de dénier tout ça comme si ce n'est rien. On a vu des marcheurs, des panafricains qui ont marché de la Guinée jusqu'au Mali à pied pour demander la fédération de Guinée-Mali. Et même l'artiste Salif Keita a fait des démarches vers la Guinée. Et il y a eu même conseil des ministres conjointes où ils sont en train de travailler sur ce projet-là, comment fédérer ces deux États. Mais les enfants, comme s'ils ne voient pas tout ça. Moi, ça me cœur quand même en tant que panafricain. C'est pourquoi je disais ici, avant qu'on nous coupe, que de faire très attention aux OSC politisés, financés par des officines impérialistes. Et ces OSC-là sont pleins dans tous les pays, que ce soit au Burkina comme dans d'autres pays d'Afrique. Je vous donne un exemple très simple. Nous avons vu certaines sociétés civiles ici au Burkina Faso qui étaient vent debout contre le départ de Blaise Compaoré. Mais quand Blaise Compaoré est parti, ces gens-là se sont tués. Quand le pays ça n'allait pas, nous on s'est levé ici pour manifester. Ils n'ont rien dit. Mais quand ils se lèvent, c'est contre un dirigeant sur place. Mais dire qu'on a qu'à lutter contre la politique impérialiste imposée
pour qu'ils parlent, pour que l'Afrique ait son indépendance, ces joueurs-là ne sont pas dans cette dynamique. Une fois, on a fait une émission ici sur les manifestations du FNDC. Moi, j'ai dit que les manifestations-là sont illégitimes. Oui. Je le dis et je le répète et je l'assume. Le FN, on a vu des panafricains marcher venir au Mali. Moi, j'étais au forum d'investissement panafricain en fin juin. On a fait le forum ensemble avec les camarades qui ont marché de la Guinée jusqu'au Mali. Oui. Moi, je cause avec eux, étant en Guinée, ils m'ont jamais dit que la transition était dans les dérives. Non, ils m'ont pas dit ça. Maintenant, le problème des FNDC, c'est quoi? Que c'est les élections. Est-ce que la Guinée a des problèmes vitaux qu'il faut régler urgemment, oui ou non? Si oui, pourquoi ne pas accompagner le gouvernement? Pourquoi on règle cela? Et c'est pousser les gens aux élections. Moi, par exemple, le bilan de 5 mois de Paul-Henri Sandaogo, je ne suis pas satisfait. Mais est-ce que j'ai organisé des manifestations pour dire, oui, il faut organiser l'élection, il faut faire ci? Je lui ai montré ce qu'il faut faire, vrai ou faux. Ça, c'est vrai. C'est ça la société civile. La société civile doit aider le gouvernement à être fort et puis à lutter contre l'ennemi extérieur. Mais quand vous-même, l'ennemi extérieur, vous combat, et vous aussi, vous levez contre votre gouvernement à l'interne, mais vous fragilisez l'État central. Ça ne va pas. Comment un pays... Moi, par exemple, j'ai pris un exemple des syndicats, de tous les différents corps qui font grève. La grève de la lutte des ouvriers, là, ça ne marche plus aujourd'hui. Ce n'est plus adapté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les syndicats devraient s'ajouter au mouvement panafricaniste pour qu'on fasse une lutte commune pour la libération de notre pays. Et si on fait cela, notre pays devient indépendant, notre pays devient souverain. En ce moment, on peut lutter pour la répartition des richesses du pays. Mais du moment que votre pays même ne vous appartient pas, votre pays est colonisé, votre richesse même sera répartie comment? Donc vous devez faire bloc d'abord pour qu'on lutte pour cette lutte d'indépendance que nous sommes en train de démener. Une fois qu'on est indépendant, on peut chercher à partager les richesses. Mais on n'est même pas encore indépendant. C'est nous, on est là, on se fait la bagarre. Un X a une tête, a une grosse tête, l'autre a une petite tête. Ton pied là est pensé d'air, ta bouche est pensée d'air. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est quelle mentalité de crabe ça? Donc la FNDC, moi je dirais que c'est une société civile politisée. Et ça, c'est pas bon. Si c'est la bonne politique pour militer aujourd'hui pour que la Guinée et le Mali se fédèrent, la Guinée et la Côte d'Ivoire se fédèrent, la Guinée et la Bissau se fédèrent, pourquoi on parvient à un État fédéral à avoir monnaie unique? D'ailleurs, même leur monnaie est très faible. Pourquoi ils luttent pas pour ça? La monnaie guinéenne est très faible. Pourquoi ne pas lutter à avoir un État fédéral autour de la Guinée pour qu'on puisse aller dans monnaie unique, développer une vision commune? Quel que soit celui qui est là, ce n'est pas un problème. C'est d'avoir un projet de société de développement pour l'intérêt de la Guinée et de l'Afrique, qui est important. C'est ça qui m'intéresse. Mais quand tu dis, non, toi, ta tête ne me plaît pas, il faut quitter. Ce que FNDC est en train de revendiquer aujourd'hui, là, si Alpha Condé était là, à l'air, là, est-ce qu'il pouvait revendiquer? Hein? Il ne pouvait pas revendiquer, puisque Alpha Condé, il a réussi à passer en force. Et il continuait pour terminer son troisième mandat. Donc, il y a des moments, il faut réfléchir avant de mener certaines luttes. Il ne faut pas mener une lutte qui va ramener ton pays en arrière, mais il faut lutter pour que ton pays parte en avant. Aujourd'hui, par exemple, nous avons une conférence de presse. Moi, je suis ici, mais il est 8h, mais mes camarades sont déjà là-bas. On a une conférence de presse pour annoncer, sonner la mobilisation par rapport au chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron qui vient demain ici pour donner des injections à Paul-Henri Sandaogo. Donc, il va venir nous trouver à l'aéroport. Nous allons l'accueillir de la belle manière qu'il faut l'accueillir. Et après demain aussi, nous allons sortir lui dire on n'est pas d'accord avec la France. Et l'ambassadeur doit partir. Donc, je pense que la société civile doit savoir orienter les luttes. Ne pas se tromper d'ennemi. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit ici, qu'on était dans une émission ici sur Forum Média, où quelqu'un a dit, au lieu que nous, on s'en prend à Paul-Henri Sandaogo, et pourquoi nous, on s'en prend à la France? J'ai dit non, l'ennemi est serré, reconnu. On se met ensemble pour le mettre dehors. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la France qui multiplie les attaques? Pourquoi on se lève encore contre Henri Sandaogo? Quand il va partir, un autre gouvernement va venir, il va tâtonner pour pouvoir mettre son gouvernement en place. Donc vous allez rester dans ça, le pays va tomber dans le chaos, comme ce qui s'est passé à Bangui en 2013. Est-ce que c'est ce que les Africains veulent pour leur pays? Il faut savoir lutter. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la base militaire française est au Burkina Faso. Et c'est eux qui forment les terroristes, c'est eux qui leur donnent des armes. Donc si on arrive à les faire partir, on a gagné un combat, vrai ou faux. Et en ce moment, le pays sera stabilisé. Nous pouvons mettre pression sur nos gouvernants pour que
les choses aillent dans le sens du peuple. Mais du moment que votre pays même n'est pas stabilisé, si vous passez votre temps à faire bagarre interne, mais l'ennemi essaierait de saluer que ça profite. Donc pour moi, cette société civile, soi-disant FNDC qui manifeste là, n'ont qu'à faire bas la terre et rejoindre la lutte panafricaniste. Pourquoi on libère d'abord le continent et la Guinée et tout ce qu'il y a comme société. Et puis dans la lutte panafricaine là, c'est pas seulement sorti dit à bas la France. On a des projets de développement endogène. Ouais. Pourquoi ne pas aller vers le gouvernement pour avoir l'accompagnement par rapport à cela? Mais si on refuse, qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Donc pour moi, il faut changer de paradigme. Ce n'est pas le moment de se quereller. Aujourd'hui, on a vu des opposants en Centrafrique qui sont en train de faire de l'aboiement. Moi, je trouve ça de l'aboiement. Excusez-moi du terme, mais ils doivent d'abord réfléchir, voir. Oui. Bangui était comment quand le président Farkan Akhenaton Touadéra arrivait au pouvoir? Oui. Aujourd'hui, grâce à quoi il a pu pacifier le pays? Est-ce qu'on veut ramener Bangui et la Centrafrique dans les années 2013? Ou bien on veut qu'il continue pour devenir comme Dubaï. Si vous voulez qu'il devienne comme Dubaï, est-ce que c'est changer de président qui est important? Ouais. Votre projet de société de développement endogène que vous avez là, demandez audience avec le président, allez-y le voir, mettez vos idées ensemble et puis avancez. C'est aussi simple comme bonjour. Mais hors-toi de ton fauteuil présidentiel, je m'assois. Si c'est ça une lutte panafricaine, moi je ne suis pas dans cette dynamique-là. Pour moi, le panafricanisme, c'est d'apporter des idées pour qu'on se développe ensemble. Maintenant, si un président refuse d'aller dans la dynamique du développement endogène, il faut le mettre dehors et puis mettre quelqu'un d'autre qui va dans la vision. Voici comment moi je conçois la politique. La politique, ce n'est pas hors-toi, je m'y pose. Non. Est-ce que tu as une vision communautariste pour tout le monde? Si oui, allons-y. Sinon, bouge, quelqu'un qui a même visé. Va venir. Voici comment moi je conçois la politique en Afrique aujourd'hui pour se développer. Nestor Poudassé, vous faites bien d'ailleurs de relever ce bilan, le bilan du colonel Mamadi Doumbouya qui n'est pas si négatif en tant que cela. Il y a quand même eu des actes forts qui ont été posés par le colonel Mamadi Doumbouya. On parle entre autres de la création de la cour de répression des infractions économiques et financières. On parle de la nomination d'un gouvernement constitué de civils, de la réouverture des frontières fermées par Alpha Condé ou encore de la libération des détenus politiques. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire plus aujourd'hui du côté de la Guinée pour essayer peut-être de contenter le peuple guinéen? Essayer de contenter le peuple guinéen, moi je pense pas que c'est ça. Puisqu'il y avait un dialogue national que l'autre l'a fait. Avait organisé, Mamadou Doumbouya avait organisé. Ouais. Pour moi, celui qui a quelque chose à dire, c'est là-bas, il faut proposer, aller donner. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est là-bas, il faut proposer, aller donner. Maintenant, vous allez faire des routes ensemble pour voir, bon, voilà. Voilà ce que vous avez déjà fait, les un an de votre bilan. Voici ce qu'il reste à faire. Puisque là, je pense que le délai pour organiser les élections est connu, non? Oui, effectivement. Connu, si je ne me trompe pas. Oui, c'est... Voilà, donc, pourquoi? C'est ces gens qui s'agitent aujourd'hui là, ils n'ont qu'à pour se préparer. Si c'est des politiciens, ils n'ont qu'à aller se préparer pour prendre le pouvoir d'État. Voilà. Maintenant, c'est là où la gestion n'est pas bonne, on peut interpeller. Ah, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Mais même malgré tout ça, c'est une transition. Donc, préparez-vous. Vous prenez votre élection, vous gagnez la présidence et vous avez 5 ans pour bien redresser le pays, mettre votre projet de société en marche. Moi, je ne trouve pas ça comme un problème. Pour moi, pour le moment, je ne connais pas trop la Guinée à l'interne, mais quand même, nous avons des camarades panafricanistes avec qui nous causons. Bientôt même, nous serons en Guinée là-bas, en fin d'année ou bien début d'année, pour lancer le projet et initiative d'investissement solidaire que nous avons lancé au Mali en fin du mois. Donc, en fin juin. Donc, pour moi, Doumbouya ne se contente pas seulement que des petites actions, mais c'est des grandes actions qu'il mène. Je suis en contact avec des camarades panafricains, ils disent que non, c'est vrai, on ne peut pas tout faire à la fois, mais il a l'oreille attentive du côté du panafricanisme. C'est pourquoi il n'a pas suivi la CEDEAO dans les sanctions abjectes contre le Mali. Voilà, donc tout ça quand même, c'est des signes qui prouvent que non, le gars, il est de bonne foi. Mais il faut savoir qu'en Afrique, nous avons trop dans nos colons, trop de valets locaux, donc il y a certaines actions qu'on ne peut pas poser de manière vite parce que ces mêmes gars-là risquent, l'impérialiste dit, de reprendre tes propres frères pour se retourner contre toi. Oui. Donc allons progressivement, méthodiquement, étape par étape.
Merci. Merci Nestor Podassé. Monsieur Kodo, l'exemple malien aujourd'hui inspire toute l'Afrique parce que la façon dont Assimi Goïta a réussi à véritablement diriger le pays séduit. C'est-à-dire, pour y arriver, il a pu compter sur le capital sympathie du peuple malien. Qu'est-ce qu'il faut faire du côté de la Guinée aujourd'hui pour que ce capital sympathie-là, le colonel Mamadi Doumbouya, puisse également le gagner? Ça passe à travers les initiatives que le colonel Doumbouya pourrait prendre. Tout se joue au niveau de la réalisation des objectifs réclamés ou alors des revendications portées par le peuple qui ont conduit à la chute de l'ancien régime. C'est à ce niveau-là que tout se passe. Mais comme je le disais tantôt, moi j'ai le sentiment que Mamadou Doumbouya, contrairement au régime malien, Mamadou Doumbouya se retrouve un peu seul à la tête de l'implémentation de ce que le peuple guinéen attend de lui. Ouais. Ce qui n'est pas le cas du Mali, où on dégage une certaine synergie. Vous avez parlé du ministre des Relations extérieures, oui. Vous avez parlé de l'actuel ministre, premier ministre par intérim. On peut même parler de l'ancien premier ministre qui a des petits soucis de santé. Oui, effectivement. Et vous voyez, c'est à la limite, même certains membres du gouvernement, quand vous suivez leur sortie, c'est comme s'ils se sont concertés avec la haute hiérarchie du pays, qui pourtant ne fait pas trop de sorties. Mais on a donc le sentiment que Doumbouya, lui, est obligé de se retrouver sur tous les fronts à la fois, ce qui ne lui facilite pas la tâche. Donc il doit certainement manquer cette collaboration franche-là entre Doumbouya et certains. Et certains de ses partisans qui gèrent actuellement la Guinée-Conakry. Or, ils ont été portés au pouvoir grâce au soutien du peuple. Est-ce que tout seul, il peut donc traduire en acte toutes ces initiatives pour satisfaire les attentes du peuple? Là, c'est extrêmement difficile, dans la mesure où, même au sein de notre copanéliste partait tout, appelant au téléphone, parlait tout à l'heure des forces endogènes, certaines forces endogènes. C'est pas où du côté de la République de Guinée-Conakry que celles-ci ne manqueront. En Afrique francophone, la France est toujours arrangée à installer des agents dormants dans tous les strates de nos sociétés, de nos administrations. Donc elle peut à tout moment porter atteinte à nos intérêts en manipulant ces agents dormants. La Guinée-Conakry n'échappe pas à la règle. Mais maintenant, pour venir à bout de ces agents dormants, il faudrait qu'ils se sentent à l'étroit. Est-ce que Mamadou Doumbouya a la possibilité de les pousser à se sentir à l'étroit? C'est aussi, peut-être que même parmi ses proches collaborateurs, il y en a beaucoup. Ce qui n'est vraiment pas le cas, je ne sais, c'est la différence entre le Mali et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui viennent de connaître des changements de régime et qui sont à la tête desquels se trouvent des transitions, sont totalement différents du cas du Mali où on a quand même le sentiment qu'il y a une meilleure coordination au sommet de l'État par rapport à la Guinée-Conakry et par rapport au Burkina Faso. Et surtout que des initiatives en faveur de la souveraineté du Mali sont prises directement par le régime malien, ce qui n'est pas encore du tout le cas avec la Guinée-Conakry et le Burkina Faso, où on sent encore, on ressent une implication directe de l'influence française dans la gestion des affaires publiques par ces deux régimes-là. Donc je crois que le temps passe. Les Guinéens continuent à attendre, mais j'ai peur que grand-chose ne puisse changer compte tenu de la configuration même de l'heure de la transition guinéenne. En tout cas, on suivra l'actualité guinéenne de près. On va ressortir avec vous, Nestor. Votre série de manifestations, vous en êtes où exactement? Est-ce que vous prévoyez également de manifester vendredi prochain, c'est-à-dire dans 48 heures? Du côté du Burkina Faso. Bien sûr. Non, c'est demain même d'abord. C'est demain ça commence parce qu'il y a le chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron qui vient pour donner des injonctions au président
Sandaogo. Donc, il faut qu'on lui dise qu'il n'est pas le bienvenu ici. Et il finit son séjour vendredi, donc nous allons l'accompagner pour dire, bon, il faut repartir, il ne faut plus venir ici. Et s'il peut même transporter Luc Alal dans sa valise pour le ramener à Paris, ça nous fera plaisir. Donc, voici un peu ce qu'il y a. Et nous avons aussi une conférence de presse, aujourd'hui aussi à 10h encore, pour annoncer en fin de ce mois une grande meeting pour soutenir le Mali. Voilà, parce que Mali a déposé plainte au niveau de l'ONU. Ça fait presque des jours et des jours, mais il n'y a pas de suite. Et l'ONU est en train de tergiverger pour que les preuves ne soient pas manifestées. Et nous, on est contre cela. Donc, je profite de l'occasion pour lancer le message à tous les chefs d'État, à d'Africains, tous les 54 pays d'Afrique, de soutenir le Mali. Voilà. On devrait voir toute l'Union africaine faire une sortie officielle pour soutenir le Mali. L'Union africaine, vous avez ce message. La CDAO, vous avez ce message. Le MOI, vous avez ce message. Et sortez et dites la vérité à l'ONU. Mais et Nestor... clarifier cette position, oui. Nestor, vous souhaitez l'apport de l'Union africaine, mais tout récemment encore, le président en exercice de l'Union africaine n'a pas officiellement apporté son soutien au Mali. Il a voulu se positionner en tant que médiateur entre Paris et Bamako. Il n'a qu'à quitter là-bas. Moi, nous n'allons plus accepter cela. Ce que sur nous, on va faire de notre façon. Et nous lançons appel encore à tous les mouvements panafricanistes partout où ils sont, en Afrique. Au Burkina, nous avons déjà commencé des manifestations pour soutenir le Mali. Et aujourd'hui, il y aura une conférence de presse pour annoncer la date. Donc, quand la date sera annoncée, je vais vous tenir informé. Et la date est connue, mais comme la conférence de presse n'est pas encore faite, je ne peux pas devancer l'Iguane dans l'eau. Oui, effectivement. Donc, vous comprenez pourquoi. Voilà. Donc, j'attends qu'après la conférence de presse, qu'on vous annonce la date. Et maintenant, je suis sûr que vous allez nous accompagner aussi dans ces événements-là, comme vous l'avez toujours fait. Et je demande que le Burkina a commencé, il faut que les autres pays commencent. Vous voyez que le Mali a réussi son combat, c'est parce que Burkina aussi est rentré dans le jeu pour l'aider. Vous vous rappelez du blocage du convoi de l'armée française l'année passée ici, au Burkina Faso. Cet convoi-là partait au Mali et nous l'avons bloqué ici pendant près de 2 à 3 semaines, je pense. Arrivé au Niger aussi, le convoi a été bloqué. C'est là que le message est passé. Le monde entier a su que vraiment, on ne veut réellement pas de l'armée française. Et depuis lors, ce convoi la camoufle pour passer autrement. Et des fois, maintenant, le ravitaillement, c'est par les voies aériennes, par voies terrestres. Ça ne passe plus comme ça encore. Et même si ça passe, mais on camoufle quelques conteneurs, on camoufle ça. On emballe avec des bâches. Ça passe 10-5 à l'insu. Donc, des fois, il se cache. Il passe par le Bénin pour passer par l'Est, ce triangle-là, pour rentrer par la voie de Kanchari. Donc, il passe par la brousse là-bas. Il n'arrive plus en ville ici. Donc, cela veut dire que notre lutte porte fruit et ça impacte négativement, ça gêne Paris. Et je pense que c'est l'occasion d'achever cette situation-là le plus tôt possible, quoi. Sinon, laisser ça comme ça, ce n'est pas bon. Et je souhaite que tous les mouvements panafricanistes se mettent en jeu. Quand le peuple va commencer à parler, les dirigeants vont faire chemin. Merci beaucoup. Ah, merci à vous. Mais surtout, bonne journée, bonne conférence de presse. On suivra bien sûr l'actualité de près et forcément, on se retrouvera soit demain, soit vendredi pour reparler bien sûr de l'essentiel à retenir à l'issue donc de cette conférence de presse prévue donc ce jour du côté du Burkina Faso. Un dernier mot, Monsieur Kodo, avant de se quitter, sur l'actualité du côté de la Guinée. Vous l'avez dit, le colonel Mamadi Doumbouya, pour réussir sa transition aujourd'hui, doit rompre avec la France, doit sortir de ce cocon-là pour servir les intérêts du peuple guinéen. Oui, déjà, je vous permets d'adresser toutes mes félicitations à Nestor, qui est sur le point de marquer une fois de plus d'une pierre blanche la lutte des Africains en faveur de leur souveraineté à travers les manifestations annoncées de ce côté-là. Ça, c'est à soutenir et à encourager. Pour revenir sur le cas du colonel Doumbouya, je pense qu'il lui manque jusque-là encore un peu d'audace
pour prendre des décisions qui s'imposent vis-à-vis de l'ancienne puissance colonialiste, ouais, néocolonialiste, dont la puissance impérialiste qui n'est autre que la France. Et je pense que le peuple guinéen attend de lui des actes forts, ouais, pour le remettre en, pour avoir le soutien de celui-ci, parce que dans l'ensemble, tous ces peuples africains, des pays anciennement colonisés par la France et néocolonisés aujourd'hui, sont fatigués de la présence de la France sur leur territoire. Vous avez vu la solidarité que les Burkinabés ont manifestée contre l'armée française dans leur pays. On l'a vu au Niger. Malgré qu'au Niger, on ait un Bazoum qui est un esclave, un nègre de service, mais quand même son peuple... son peuple n'hésite pas de réclamer sa souveraineté. Et ça, ça ne peut pas durer une éternité. Un jour, lui aussi prendra sa place d'un simple valet au service et à la solde de la France. Donc je crois que la lutte panafricaniste est en train de prendre, et la jeunesse et tout le peuple africain sans discrimination est appelé tout simplement à rejoindre ce mouvement d'ensemble afin que les générations futures puissent vivre un peu plus librement et bénéficier des fruits que la Providence a offert à l'Afrique, parce que l'Afrique est loin d'être un continent pauvre. Oui. Au contraire, c'est un continent extrêmement riche qui détient près de 60% des réserves à ressources naturelles dans le monde, qui malheureusement sont pillées sans contrepartie et qui nous imposent même une insécurité à titre permanent, justement pour que ces puissances impérialistes continuent à nous faire du tort. Donc il est plus que jamais temps pour les Africains de prendre en main leur destin, de mutualiser leurs efforts au-delà des nationalités, au-delà d'autres divergences. Ouais. Il est temps, plus que jamais, qu'on se mette ensemble, comme le souhaitait d'ailleurs Nestor, qu'on se mette ensemble pour changer totalement de paradigme en faveur du développement et de la liberté et de la souveraineté de notre continent. À se mettre ensemble pour changer les choses. Se mettre ensemble, bien sûr, pour la souveraineté du continent africain. Sont les mots, les tout derniers d'ailleurs, de M. Kodo, dans le cadre, bien sûr, de cette émission de For You Matin. J'en profite pour vous remercier. DP, merci d'être passé par ici. Merci également et surtout merci à nos les spectateurs qui ont certainement consacré leur temps pour nous suivre dans le cadre de ce programme matinal. Merci également à Nestor Podassé qui réagissait bien sûr en direct de Bobo Dioulasso du côté du Burkina Faso. Comment ne pas dire merci à la merveilleuse équipe de For You Télévision qui se trouve actuellement du côté de Bangui. Vous l'avez certainement vécu en duplex dans cette émission avec bien sûr cette actualité relative à la République centrafricaine, la réécriture de la nouvelle constitution. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler, notamment demain dans le cadre de la nouvelle production de la semaine. Les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions, celle qui porte un regard différent sur le monde. Portez-vous bien. À demain.